Putain, c'est trop chiant ce jingle. Il fallait que j'arrête. Hein. Normalement, il s'étendait pour une demi-heure, une minute de plus. Ouais, Samy. Ouais. Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde Coucou va tout le bien, monde. que tout le monde est bien installé. Salut Benoît et surtout salut Capette. Très heureux de t'avoir parmi nous pour cette Ben, de 19e même. édition. Ouais, 19e 19e édition, édition. vous les comptez? Excellent. Wow, Plaisir tu partagé. veux Il n'y a savoir que qui? Samy. Samy, il a une mémoire, une façon de penser extraordinaire. Moi, j'ai oublié. Alors, moi, j'ai une première question, histoire de rentrer directement dans le vif. Ah, Je c'est toi qui préparerai poses des l'aile. questions. D'accord. Et tu peux esquiver, il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin de savoir, c'est trop trop important. Samy, quel âge tu as? Ah, Quoi? oh, c'est le classique. Ah, non, j'ai 29. Impossible, impossible de mettre un âge sur son visage, c'est impossible. Ouais, c'est une question qui revient souvent et sur laquelle les gens échouent beaucoup. C'est vrai que c'est. Je sais pas, Mais c'est une question commune. Samy est J'imagine. beaucoup plus jeune que moi, il m'apprend des choses chaque jour. Donc Ouais, ça répond pas à ton âge, hein, ça répond pas à ton mais j'ai âge, bien mais. compris qu'il était plus jeune qu'il n'y paraît, voilà. Mais l'autre fois, il a laissé esquisser des informations sur son Twitter en disant perte de cheveux à 29 ans. Et du coup, j'ose supposer qu'il est autour des 26 ans comme moi, en fait. J'ai 24 balais, ouais. Putain, c'est incroyable. Il est encore Ouais. plus jeune que moi. Et c'est incroyable par ce à quoi il ressemble, et c'est incroyable par ce qu'il sait. Ouais, Donc, non, il mais y a, y a, ça après, tu sais, quand on a faim d'information, on prend l'information, il n'y a pas d'âge pour ça, je dirais. Mais Oui. ouais, mais 24 ans, je m'y attendais pas, putain, incroyable. Bon, bah voilà, l'exclu pour les uns, la On te répétition retourne pour la les autres. question, donc toi, tu as répondu déjà. 26 ans. Bon. 26 ans, 24 ans. Écoutez, très heureux de démarrer cette émission. On va prendre un peu le temps avant de démarrer. Les gens arrivent petit à petit. On va commencer à survoler les quelques sujets que l'on va aborder dans cette émission. Je pense que déjà, on va commencer par te poser quelques questions sur ton parcours. Hein. Tu sais, c'est. Sur la personne. Sur la Ouais, personne, le bien sûr. classique, je me suis mis le chat Twitch à côté, c'est nice. Voilà. Voilà. Nous, l'humain, ça a beaucoup d'importance pour nous. Donc, est-ce que tu nous referais une petite présentation de ton parcours, les Ouais, bien sûr. cryptos et même hors des cryptos, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, c'est parti. Moi, en fait, si je devais me définir, je suis un mordu de jeux vidéo depuis que j'ai. Je joue depuis que j'ai 3 ans et demi, mais depuis que j'ai 4 ans. C'est-à-dire qu'on m'a mis une Game Boy Color dans les mains et Pokémon, et c'était la fin, quoi. C'était finito, et ça n'a jamais changé. Et en fait, du coup, je voulais absolument en faire mon métier très tôt. Je regardais des reportages sur l'e-sport, les jeux vidéo, etc. Et je voulais absolument m'en faire mon métier. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu YouTube. Il y a eu YouTube en 2007, quand tu notais avec des étoiles et pas avec des likes et des dislikes. Moi, j'avais quoi? J'avais 12 ans à ce moment-là et j'étais comme un ouf. J'étais en mode, mais la télé, c'est poubelle, quoi. Tu sais, je tapais un truc sur le champ de recherche. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu avais du jeu vidéo, tu n'avais pas besoin de subir le contenu. Tu allais chercher le contenu toi-même. C'était encore mieux que la mosaïque de Canal Satellite, bref. Et donc, du coup. Voilà, YouTube, et je me suis fait un nom là-dedans du mieux que je peux en cherchant justement les francophones, les gens qui étaient dans les jeux que j'aime, et j'essayais de m'approcher, à l'époque, malin, hein, le petit jeune, j'essayais de m'approcher des gens qui se faisaient un petit nom sur YouTube en fait. Donc tous les premiers gamers francophones, on va dire, du game, je les ai connus. Pour ceux qui nous suivent et qui connaissent un peu le monde du gaming, les Diablo X9, les Wartech, les Squeezie plus tard, voilà, je les ai connus parce qu'on était un monde très très petit. Et c'est comme ça que je me suis fait mon nom dans ce game-là et dans l'e-sport. Voilà. Et du coup, bah, grâce à ça, ça m'a permis au fur et à mesure de me faire, bah, comme dit, mon nom et de savoir négocier des sponsors aussi. Donc, j'étais rentré dans une structure e-sport qui s'appelait Mythix e-sport. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était la structure de Gotaga. C'est la structure qui a poussé Gotaga. Et c'est là où j'ai rencontré des gens qui étaient capables, en fait, de choper des sponsors pour des gens qui jouaient à des jeux vidéo. Donc, c'était quand même fort, tu vois, pour l'époque. Et du coup, bah, je me suis fait mes petits sponsors, je me suis fait mon petit nom. Et parmi ces sponsors, bah, il y avait l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé 5 ans qui s'appelait remboursezvotreforfait.com, devenu youpass.com. Et ça m'a permis de me trouver du boulot tout simplement. Et c'est grâce à ce métier chez youpass que je suis rentré dans les cryptos. Il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées en fait. Donc naturellement, je suis rentré dans les cryptos, je dirais fin 2016, début 2017.
Ah, c'est pas mal. Donc, t'es entré juste avant une bulle épique. Bah, le Bitcoin était à 1 000 $. Voilà, le Bitcoin est à 1 000 $. Et tu es rentré par quelle voie? C'est-à-dire que tu as choisi quel support Bonne pour question. embarquer. Alors, comme tout le monde à cette époque, quand on te dit acheter du Bitcoin, tu es en mode ouais. Donc, moi, c'était pas Coinbase, c'était Kraken. Du coup, j'ai un pote qui m'a Ah dit, tu fais un oui, compte bien sur sûr. Kraken, tu fais un virement Parce sur que Kraken. sur l'euro, c'était le plus gros acteur avec des euros. Ouais, et puis il me disait, voilà, tu te fais pas exploser par Coinbase et ses frais, et tu as du choix, tu as le Monero, tu as l'Ethereum, et tu vois, C'est vrai. le gars qu'on a pu voir dans certains de mes lives, l'infréquentable qui m'a mis là-dedans, lui, il était en mode Ethereum, Monero, trop bien, j'ai investi à tel prix, j'ai revendu à tel C'est un prix. génie, hein. Ouais. Ah, mais... Revendre c'est un mauvais mot, mais il a investi à un bon prix. Il a certainement revendu à un mauvais, mais. ah, ça, oui. Bon, après lui, il est là depuis 2013 Ah. et il est toujours là et aujourd'hui, il vit de la crypto, tu vois. Il entreprend dans la crypto, il vit de la crypto. Bah, avec Sam, on s'était fait un petit live avec lui. Il est full DeFi maintenant et il est à fond, quoi. Et c'est ce mec-là qui m'a mis dedans et qui m'a mis direct dans les sujets, pas spéculation, mais tu vois vraiment blockchain, Bitcoin, fonction de hachage, mining. Il m'a fait toute l'histoire, mining CPU, GPU, FPGA, ASIC. Donc j'étais vraiment en plein dedans. Et en parallèle de ça, dans mon boulot, j'avais des gens du boulot qui étaient à fond dans la blockchain en fait. Donc du coup, je suis arrivé en mode, j'avais au boulot, on me disait blockchain, blockchain, blockchain. C'était même pas Bitcoin, c'était blockchain. Et j'avais mon collègue qui me disait vraiment Bitcoin, Ethereum, Monero. Donc je suis arrivé plein dedans. J'ai eu le bonheur de dire sur Twitter, ouais les gars, j'ai acheté du Bitcoin. Ah, Et là, c'est bien. direct, c'était quoi? C'était en janvier 2017. C'est bien. Il y en a un qui me dit, alors je vois que tu t'intéresses au Bitcoin, regarde cette altcoin, il va t'intéresser. Et là, on me parle du Nexus NXS. Ah oui. Ah, moi, j'ai. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais attends, il n'y a pas que Bitcoin et Ethereum Monero, il y en a plein d'autres. Et comme moi, j'ai une grosse curiosité technique. On me dit blockchain 3 dimensions. Tu sais, les bullshit de l'époque, hein, t'as connu, hein. Enfin, Mais nous, attends, on a non, non, connu. non, mais attends, mais j'ai vu que tu étais resté curieux, hein, quand même. Je fais un petit spoil, mais moi, j'ai vu quelques tweets passer. Je me demande s'il n'y avait pas du rare porn ou des choses, épicées, tu vois, Ah oui, des choses toujours. audacieuses. Et donc, mais bon, tu sais, moi, ça me parle. C'est-à-dire que Tu aimes je suis arrivé. l'exotisme monétaire, je peux Ah, mais comprendre. voilà, moi, j'ai du mal à me soigner avec ça. Je sais pas si ça me réussit, mais en tout cas, ça me parle. Donc, tu es parti sur Nexus. Mais restons à Nexus et ton parcours initiatique. Et en fait, donc je sais pas les gens qui nous écoutent là, comment ils ont découvert les cryptos, par quel biais, quel coin de cœur ils ont, mais en fait, il y a toujours un truc qui nous met dedans. Il y en a, ça va être la supply chain, l'autre, ça va être la shitcoinerie, on va appeler ça. Et moi, j'étais vraiment dans la shitcoinerie, dans le sens où on me dit Nexus, blockchain 3 dimensions, mining CPU, mining GPU, proof of stake. Blockchain hébergé dans l'espace via Vector Space qui a été Oui. l'entreprise qui a pris à Elon Musk à envoyer des fusées. Oh. Bon, donc là, je suis dans la matrice. Mais Capet, tu sais ce à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces généraux qui ont un peu trop d'étoiles. Souvent, quand tu les vois arriver, tu vois, aux parades militaires, ils ont énormément de croix de guerre et ils ont une tenue, tu vois, qui est tellement lourde à porter que c'est ce qui leur fait leurs épaules. Mais je suis pas sûr que C'est ce soit ça. de grands stratèges. Tu vois, tu vois, Voilà, tu vois. t'arrives et on te dit Bitcoin, Ethereum, et là on te présente Nexus et t'es en mode, mais vas-y, poubelle Ethereum. Poubelle Oui. Ethereum. T'es là, tu sais mieux que tout le monde, vas-y, Nexus, truc de ouf. En plus, attention, bah, je vais pas vous faire toute la technique, mais en gros, Bon, tu le peux nous gars faire il la te fin. dit, ouais, la fin, le gars il te dit, on fait une technologie qui va permettre de télécharger, lire et écrire sur la blockchain 10 fois plus vite. Et en gros, il prend, tu vois ce que c'est les bases de données SQL? Ben, il prend la base du SQL, il retape tout. Et le mec, il nous dit, dans 1 an, on vous fait le custom SQL qu'ils appellent le Low Level Database, LLD. Voilà. Et vous allez voir. Et en fait, ben, ce n'est pas arrivé au bout d'un an, c'est arrivé en 2020, sauf qu'on était en bear market. Donc, du coup, Nexus. Finito. Et c'est dommage, ils sont toujours là, hein.
Mais bon, tu vois, ça, c'est des Et projets. toi, tu y es toujours ou pas? J'ai Parce que eux, toujours ils mes sont liens là. Nexus, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours mes liens de Nexus. Bon, Ouais. mais voilà, Bien vous êtes sûr. ensemble. Mais ça Vous m'a êtes fait ensemble, vous êtes bien. perdre des sommes de dingue. Mais bon, on est là pour la tech, de toute façon, donc. On arrive pour l'argent, on finit parfois pour la tech. Donc, c'est ce qui fait s'intéresser à un projet. Parce qu'on s'intéresse à un projet parce qu'il réussit ou souvent parce qu'il échoue aussi. Ouais. Bah, après, ça dépend des gens. Vous êtes tous les deux curieux. Toi, Benoît, d'ailleurs, tu es dans les cryptos depuis combien de temps? Alors moi, je suis Longtemps, dans les cryptos depuis une éternité. hein? Je suis arrivé fin 2012 en Argentine. Donc, je suis arrivé par la voie principale à cette époque-là, hein, qui était le Bitcoin. Et T'avais ensuite, j'ai Namecoin, exploré. Bitcoin, Ripple, quoi, à cette époque. Oh, Namecoin, je pense même pas. J'avais Ripple, oui. Namecoin, c'est 2014, je crois. Ah Ouais. ouais? Ok. Ouais, il y avait Ah ouais? Litecoin, Ripple, Très bien. Bitcoin. Il y avait du Namecoin. Ah ouais, mais d'accord, j'ai pas compris. Ah, Namecoin, Namecoin. pas Ah, le. name, pardon. Oui. Ouais. Namecoin, Pas le c'est la Nem. première crypto après Bitcoin, je crois. Hein. Eh bien, alors, franchement, c'est ce qu'on retrouve sur Internet. Mais à l'époque où je rôdais par là, je crois que la première alternative à Bitcoin, c'est un scam. Et c'est souvent comme ça. Et il Ouais. y a un truc, mais genre, je sais plus. Franchement, c'est des noms. Je crois que là, c'était un pré-mine. C'est-à-dire que mes Namecoin Z est sur. cash. Maintenant, c'est du. Alors, Zcash, ouais, mais Zcash, c'est arrivé plus Zcash, c'est tard. Hein, 2016. Plus tard, ouais. et puis en plus, c'est même pas 2017. un scam. C'est même pas un scam, donc c'est pas drôle. Ouais, Mais c'est les vrai, premiers qui sont inspirés de Bitcoin, en général, c'est pour le copier. Et moi, j'ai réfléchi, tu vois, j'ai regardé parce qu'on était aux confessions, hein, tu vois, on commence par là. Moi, je regarde, mon parcours de débutant m'a coûté 92% de mes Bitcoin. En Ouais, termes mais d'erreur, ça, ouais. ouais. J'ai regardé, donc, moi, je pense que je fais partie des plus mauvais. Hein. Enfin, je suis pas tout à fait le plus mauvais parce que j'ai jamais fini à 0%. Et en fait, ce qui me permet d'être encore là ce soir, c'est que je n'ai pas tout perdu. Et si j'ai un seul message à passer, c'est en fait le jeu dans les cryptos, c'est de survivre. C'est de survivre assez longtemps. Et je suppose que si on survit assez longtemps, on arrive à être positif. Mais quand on fait des départs catastrophiques comme le mien, ça peut prendre des années. Ah, mais c'est Mais voilà. la shitconnerie, hein, de toute façon. Si t'es là depuis Ah, 2013, oui. l'exotisme t'a coûté quelques. Mais je suis supérieur, donc je suis largement inférieur en Bitcoin, mais je suis supérieur en fiat. Donc Ah c'est pour oui. dire à quel point les fiats sont nuls. Parce qu'on peut se croire fort, en fait, je suis diaboliquement mauvais, mais ça m'a permis de. En dollars ou en euros, je suis très très supérieur à mon point d'entrée. Ouais. Mais voilà. T'es à break-even en BTC, il me semble quand même. Non, Non? non, non, j'en suis encore loin. Enfin, ça, non. Ouais, parce que cette époque-là, le BTC coûtait des miettes, quoi. Donc, Ouais, enfin, des miettes. Non, 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 non. Ça coûtait un peu plus que des miettes. Mais par rapport à maintenant, oui. Ben maintenant, ça coûte des lingots. Donc, bah ouais. Et d'ailleurs, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça comment, cette capitalisation de Bitcoin? moi, On aime le moi, je... marché, hein, mais. moi, je trouve ça par rapport à la proposition de valeur. Le problème, c'est que est-ce qu'ils vont livrer la proposition de valeur? Mais offrir à l'humanité une nouvelle forme de monnaie qui soit exempte de corruption, parce que c'est une quête qui a plusieurs milliers d'années. Et c'est-à-dire que la monnaie, c'est le sang de l'économie. Et donc, c'est ce qui permet. Et à présent, on ne dispose pas, on avait l'or, en fait, qui était la meilleure alternative, enfin, le meilleur support monétaire jamais inventé, c'est l'or. Et l'or, finalement, c'est désastreux parce que ça s'échange mal, ça a plein de défauts. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'on ne peut pas fausser la supply. Et donc, ça a une valeur mais monumentale. L'or, c'est 7 Sauf trillions. leur papier, ouais, sauf leur papier, ouais. Mais l'or papier, c'est une farce. Il me semble Mais que si dans un tu. roman antique, ils refrappaient les pièces et ils les refondaient en fait pour faire baisser leur teneur en or. Et c'était un Oui. gros problème pour subventionner en fait différents conflits, des guerres, etc. Et à un bout d'un moment, tu avais des pièces d'or qui étaient composées à seulement Mais 40% d'or, quoi. c'est la différence entre la faciale et la vénale. C'est-à-dire qu'il y a la valeur faciale et il y a la valeur vénale. Donc la valeur faciale, c'est ce qu'il y a. Excusez-moi, monsieur, mais la valeur faciale, c'est ce qu'il y a écrit sur la pièce. Et la valeur vénale, c'est la valeur d'échange. Bon, je Ouais. pense que si on la faisait fondre, ce serait Ouais, la valeur vénale, mais voilà, donc c'est nul. non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, les pièces sont à chier maintenant. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Mais la valeur faciale est toujours supérieure à la valeur fondue, en or. Ouais, bien Oui. sûr. Bien sûr. Et ça, c'est la petite astuce des rois. La petite astuce des rois, c'est ils vont te dire une valeur qui est très loin du grammage en or, en fait. Bah, Et c'est le fiat, hein. Confiance, hein.
Voilà, mais le Fiat, la différence, c'est quasiment infini. C'est-à-dire que tu peux marquer ce que tu veux sur sur le support, et la valeur du support, c'est du papier, ça vaut rien. Alors qu'avec l'or, tu avais un petit différentiel, un premium, tu vois, et il était plus ou moins important selon les rois qui rognaient la pièce, en fait. Donc, ils mettaient de moins en moins d'or, et il y avait une différence beaucoup plus importante entre la faciale et la valeur d'usage, enfin, entre la valeur fondue, mais. Ouais, bien sûr. Voilà, la valeur faciale de cet C'est ami, c'est nice. pas 24 ans. Il a une faciale plus élevée. Et c'est très rare. Mais non, ça correspond en fait. Bien sûr. Bah, de toute façon, moi, c'est aussi ça qui m'a mis un peu dans la crypto. C'est que j'ai un patron, enfin, ancien patron, qui est mordu de monnaie. Et lui, en fait, quand il m'explique la monnaie, tu sais, c'est la passion. Et... Bah, Bitcoin, il aimait bien, mais au début, c'est vrai que ça faisait très Ponzi. Et maintenant, avec toute la propagande qu'il y a autour, ça se vaut. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, j'adore le marché des cryptos, mais moi, je suis plus côté use case. En le comparant à l'or, c'est clair que, bon, Bitcoin a plein d'avantages. Mais il y a toujours ce petit fond de Ponzi, tu vois. Je ne peux pas m'en empêcher de le penser. Et particulièrement en bear market, et pas en ce moment, mais je parle de entre 2018 et quand c'est reparti. Il y a vraiment ce côté de voilà quoi, on envoie du monde, on vous dit il y a l'inflation, il y a les monnaies en face, mais ça a besoin du scale quoi, c'est encore trop léger pour le moment. Ça, Mais je comprends pas, mais c'est toute forme de prix en fait, et dans ce cas-là, c'est-à-dire que si t'as pas une ouais, offre et tout une à fait. demande, donc un prix a forcément besoin d'une demande, mais après, disons que c'est pas les nouveaux entrants ne paient pas de rendement au suivant. Les retraites, c'est un Ponzi. Non, mais bien sûr, toute forme d'économie. Mais là, je vais en mettre mal à l'aise dans le chat. Hein. Non, mais c'est Oh, mais juste on y que va, on est libre là. Bitcoin a 12 ans. Bon, on a Lightning Network qui commence à se mettre un petit peu en place. On me parle de Strike. Mais pour le moment, niveau use case, c'est léger, quoi. Donc, on va toujours te dire, ouais, mais les payer l'argent, machin, truc. Mais niveau use case, je trouve ça quand même très, très, très léger comparé à ce qu'on pourrait faire avec. Et encore aujourd'hui, c'est spéculation, prix, machin, truc, et pas assez adoption à mon goût en tout cas. Mais je vois Sam qui hoche la tête, moi j'entends ce que tu as à me dire. Non, je suis pas, tu vois, je suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis. Bon, pour moi, le prix actuel de Bitcoin, finalement, c'est le produit de la rencontre entre, voilà, l'offre et la demande. Il y a aussi, comme tu le dis, beaucoup de spéculation qui est souvent accentuée par beaucoup de, voilà, de produits dérivés, de leviers et autres choses sordides qui viennent un peu animer les prix, encore plus aujourd'hui. Mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui offre la même chose que Bitcoin avec le même niveau de sécurité aujourd'hui et de résistance à la censure? Non. Et est-ce que Bitcoin s'est déjà illustré comme une solution pour échapper à des contraintes, qu'elles soient politiques, relatives à la liberté ou autres dans plusieurs pays, pour se protéger contre l'inflation ou autre? Oui, il a déjà fait ses preuves. Il a fait ses preuves, par exemple, je crois, en Ukraine lors de la crise de Crimée en 2013, quand la grivnia est partie de 1 euro à 3 grivnias, à 1 euro à 30 grivnias, beaucoup de gens C'est se vrai. sont abattus sur Bitcoin. Pour ce qui en est d'autres pays, en fait, de failed bankrupt state, on peut penser au Venezuela, on peut penser à ce qui s'est passé à plus petite échelle sur les plages du Salvador, on peut penser à plein d'autres pays. Bitcoin a fait office de très bon outil pour se protéger contre l'inflation, à défaut d'avoir d'autres options qualitatives, vu qu'on ne peut pas acheter de monnaie fiduciaire européenne ou américaine, dans ces pays-là, et surtout comme instrument de rémittance. Le truc, c'est que quand tu es au C'est-à-dire. Venezuela, le bureau Western Union, je pense pas qu'il fonctionne pour recevoir des dollars. Et il y a des Ouais, c'est vrai, limites, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. il y a beaucoup de risques à transporter cet argent dans la rue, les dollars que tu reçois potentiellement au Venezuela, à Caracas. Et là, tous les Vénézuéliens, toutes ces personnes du Venezuela qui avaient de la famille sur le vieux continent, probablement en Espagne ou sur la côte est des États-Unis à Miami, ben, recevaient en fait de la valeur via le réseau Bitcoin. Et ça, ben, le gouvernement n'était pas en mesure de bien le monitorer ou de censurer les transactions qui avaient lieu sur ce réseau-là. Et on peut se dire que Bitcoin honore sa promesse. C'est quand même un instrument qui est certes corrélé à la santé des stocks dans une certaine mesure. On attend le fameux découpling, il faut pas se leurrer, hein. Le prix de Bitcoin est peut-être manipulé et dépend aussi de pas mal de choses qui existent dans les marchés traditionnels. Mais Bitcoin, il fait le boulot.
Et peu importe en fait ce qui Mais se passe, bien sûr qu'il fait le boulot. Il fait le boulot depuis 12 ans. Et franchement, si on regarde le nombre d'échecs techniques de Bitcoin sur les 12 dernières années par rapport aux plus grosses infra centralisées qui existent, Bitcoin défonce en fait ce que propose les meilleures fintech, les meilleures plateformes à l'échelle de 10 ans en termes d'availability, de disponibilité. Le Bitcoin, en fait, il fait le taf. Alors après, sa valeur, elle a été exprimée. Voilà, elle a pris, elle a connu des âges d'or, des âges creux. Mais bien sûr. Il fait le café. Alors ok, il est limité aussi sur le plan technique parce qu'on ne peut pas le passer en POS, on ne fait pas de char. Non, mais enfin, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est ouais. encore un autre débat. Mais non, c'est plutôt, tu vois, dès qu'on se prend un bull run, c'est grosse congestion. Et pour moi, c'est dommage que Lightning Network soit pas plus adopté. Moi, j'attends que ça, hein, en fait. Hein. Si tu veux, pour me justifier, parce que j'ai vu dans les messages du chat, mais il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis très Ethereum, en fait. Finalement, je suis très, très Ethereum. C'est monnaie programmable, ça va plus loin. Il y a un côté évolutif. Alors après, ouais, tu as Satoshi d'un côté, l'anonyme, qui ouvre pas sa bouche, et d'un autre côté, tu as Vitalik, le grand dictateur, mais bon dictateur, dira-t-on. Oh, ouais, c'est un dictateur bienveillant. Ouais, mais pas dans les yeux de tout le monde, tu vois. Il y en a, ils ont jamais digéré le. Il y a des yeux qui divergent, il y a des yeux qui convergent. Tout ça, c'est du strabisme. Non, Vitalik, tu sais, il y a des gens depuis le hard fork Ethereum classique, Ethereum, c'est fini. Tu vois, je connais des gens, ils ne veulent plus entendre parler d'Ethereum. Pour eux, en fait, c'est Satoshi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Libre à eux. Moi, je vais te dire, dans les monnaies fiat, en fait, il y a le fondement philosophique qui me dérange le plus. C'est le côté légal et forcé. En fait, la monnaie fiat, c'est une monnaie qui a cours légal et forcé. Ce qui signifie, moi, dans les rapports humains, j'aime le libre consentement. C'est-à-dire que les rapports humains, qu'ils soient sexuels ou monétaires, je préfère quand il est librement consenti, tu vois. Ouais. Et moi, ce rapport monétaire légal et forcé, en fait, me fait l'effet d'un accouplement que je n'aurais pas consenti. Et donc, j'aime pas trop ça. Et en fait, c'est le seul truc. Ensuite, dans les crypto-monnaies, ben, évidemment, il va y avoir des crypto-monnaies qui ont toutes les formes, qui ont toutes les propositions de valeur. Il y en a qui vont paraître hideuses à certains et sublimes à d'autres. Libre à eux, en fait. Libre à chacun de s'accoupler avec la crypto-monnaie qui lui plaît. Et donc, c'est vraiment la différence, en fait, entre Bitcoin, Ethereum et toutes ces crypto-monnaies-là et les monnaies fiat, c'est que personne n'a jamais été forcé d'accepter les cryptos. C'est-à-dire que si vous venez aux cryptos, c'est par un choix libre, volontaire, pas forcément éclairé. On n'est pas dans le choix libre et éclairé. Souvent, il y a des choix qui sont libres et tamisés, tu vois. C'est pas très éclairé, mais écoute, ça, il y a une forme de beauté. Et moi, j'y tiens beaucoup, en fait. C'est comme la liberté, en fait, de parole, de devrait s'appliquer à la liberté d'investir. C'est-à-dire que normalement, il y a tous les gens, ils sortent du bois et disent, voilà, ce que tu dis est hideux, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. C'est souvent attribué à Voltaire. Bon, mais moi, j'aimerais bien qu'on me laisse faire la même chose avec mon argent. C'est-à-dire, ce dans quoi j'investis est absolument stupide, mais je tiens beaucoup à le faire. Et voilà. Et donc, j'y tiens. Et c'est la proposition de valeur, en fait, des crypto-monnaies. La proposition de valeur de Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est de permettre à chacun de disposer librement de son capital. Et ça, c'est quelque chose que ne permet plus l'euro, est notamment sous sa forme digitale. C'est-à-dire que quand vous avez des euros chez votre banquier et que vous voulez faire un virement qui représente, par exemple, un dixième de ce que vous possédez, vous devez demander la permission à Janine de la compliance d'envoyer votre argent dans quelque chose qu'elle ne comprend pas plus que vous, d'ailleurs. Et elle vous pose des questions. Elle ne sait pas pourquoi elle les pose. Il ou elle, d'ailleurs, hein, ne soyons pas Jeannot de la compliance aussi. Et ça, en fait, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire que vraiment des noms. Ça, on est d'accord. Et c'est pour ça que voilà, moi, je vous dis pas Bitcoin, poubelle ou quoi. C'est juste qu'en fait, ce qu'a fait Bitcoin est magnifique, incontestable. Mais dans le côté évolutif, je suis pro Ethereum, en fait. C'est juste que je vois une utilité à Ethereum que je n'ai pas à Bitcoin. Bitcoin, je le garde pour, on va dire, se hedger finalement, ouais, se protéger de l'inflation, avoir une monnaie décentralisée. Mais du point de vue de la monnaie pure, j'ai beaucoup plus de conviction dans Ethereum. Mais c'est quelque chose de personnel.
Non, mais attends, j'ai essayé de le résumer parce que ça, c'est quelque chose que tu observes. Quand tu achètes Bitcoin, tu achètes des certitudes. C'est-à-dire que les gens qui sont attachés à Bitcoin, ils aiment quelque chose de certain et c'est la quantité de monnaie. Tu vois. Et par exemple, tu achètes 21 millions de Bitcoin et tu achètes un modèle d'émission. Ouais, c'est Et vrai. ça, et tu vois, tu vas pas avoir de passage de réparation en plein vol du bousin. Voilà, on passe à taproot, mais c'est très progressif. Donc, tu achètes des certitudes et il y a des gens qui ont besoin de certitudes. Nous avons tous besoin de certitudes et on s'y raccroche. Quand tu achètes Soyons Ethereum, tu sérieux. achètes des. Voilà, soyons sérieux. Quand tu achètes Ethereum, tu achètes des promesses. Et donc, et les promesses, c'est plus inspirant. C'est-à-dire que souvent, et c'est vrai que la proposition de valeur d'Ethereum, la finance décentralisée, l'ordinateur universel, etc. Mais en pratique, ça ne marche pas. En pratique, on a un truc qui te. Franchement, la finance décentralisée, je ne l'ai pas découverte avec Ethereum. Je l'ai découverte avec des protocoles alternatifs qui coûtaient moins d'argent, de frais, et voilà. Mais les promesses d'Ethereum sont. Sublime et si jamais il les délivre, je suis d'accord avec toi que ça sera cool. Mais ce Ok, qui je fait suis. dire aux Bitcoin maximalistes, en fait, pour eux, ces promesses-là, ce qui les différencie en fait des éthériistes souvent, c'est qu'ils ne croient pas aux promesses qui sont faites et pour eux, c'est des mensonges. Et en fait, c'est difficile de se positionner à moins d'être dans le futur, de savoir si la promesse est un mensonge ou si elle sera livrée. Moi, j'en sais rien. Et donc, moi, j'aime bien les promesses aussi, les belles promesses. C'est en même temps sa force, son manque d'agilité, en fait, c'est sa force, sa stabilité, la difficulté pour apporter du changement sur Bitcoin. C'est en même temps ce qui fait ça, ce qui peut être vu, interprété comme une qualité. C'est vrai que. Et puis, t'as pas d'un. Enfin, c'est quand même Bitcoin, quoi. Il y a 21 millions d'unités, probablement le quart de celles-ci qui sont paumées. T'as une génération qui est logarithmique, donc ça sera raréfié au fur et à mesure du temps. Et puis surtout. Ouais, le Non, mais truc est moins. Ouais. c'est très clair, tu sais, c'est comme tu as une fonction sous Linux, c'est la fonction copier, voilà. C'est pas, elle fait copier, elle fait rien de plus que copier. Et Bitcoin, c'est ça, la fonction Bitcoin, bah, c'est changer de la valeur qui est le Bitcoin, c'est juste ça. Et après, encore une fois, je suis désolé, j'ai les mots un peu durs, la propagande autour de réserve de valeur, or 2.0, etc., tout ça, on l'a rajouté derrière. Mais à la base, le white paper, c'est électronique cash system, peer-to-peer électronique cash system. Fin! Fin! Et ça marche. C'est incontestable, ça marche. C'est juste que moi, comme je suis un mec plutôt branché tech, de toute façon, je ne vais pas prendre la tête plus longtemps. J'aime les promesses d'Ethereum, j'y crois dur comme fer. Et même si c'est très lent, très 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 lent, et qu'on peut se dire Qu'est-ce qui est lent? putain, Ethereum est lent? Pour le ouais, proof of bah tu stake, sais, pour le passage au proof of 2.0, stake. par exemple, Ouais, ouais, 2.0, sharding. Pour moi, c'est sharding, tu vois, proof of stake, c'est une chose, mais sharding, c'en est une autre, bien bien à des égards du reste. Bah putain, oui, tu trouves du sharding chez Elrond, chez Avalanche, chez machin, chez truc, certes. mais tu sais que. Ces promesses-là, enfin, tu les as aussi un peu chez Bitcoin, en encore plus lent. Hein. C'est-à-dire que tu as du RGB, du Lightning, du machin, du truc, tu vois. Je Mais connais toi, pas tu es. RGB. J'ai vu ce que c'était, Alors, mais moi je non connais pas plus. ça. Moi non plus, parce que tant que tu sais que moi, j'ai besoin de toucher. Donc, il y a ce qu'on écrit. C'est comme. Voilà, hein, tout ça, c'est. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore tâté en pratique. Et c'est vrai que si tu vois la programmabilité d'Ethereum, elle est supérieure. De facto à l'heure actuelle. Donc c'est plus facile de se projeter sur des smart contracts sur Ethereum que sur Bitcoin, mais bon, ça existe aussi. Ouais, bah Parce que j'ai après, de toute vu qu'il y en façon, a qui c'est. faisaient la remarque dans le chat. Donc Ouais. Non, c'est mais vrai qu'il y a c'est. Woodstock, Après, et c'est ouais. vrai. Il y a Roots. Ouais, c'est vrai. Alors, petite parenthèse, Woodstock, on nous en parlait en 2017. Puis, on nous en a parlé en 2018, en 2019. Au bout d'un moment, moi, j'ai lâché le morceau. Et là, apparemment, c'est live depuis peu, en fait, RSK. J'ai pas suivi. Donc, Bah, tu. moi, je peux Ouais. pas te répondre. Voilà, bah, il me semble que c'est live depuis peu. Et bah, tout le monde s'en branle, visiblement, puisque. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des projets spéculatifs? Parce qu'à un moment donné, on disait, donc tu parlais de la valeur de Bitcoin et tu disais, voilà, elle est un peu abstraite. Et je voulais réagir sur ça. Tu sais que les choses n'ont de valeur que pour soi-même. C'est-à-dire que la valeur de quelque chose, ça fait partie d'un article que j'ai écrit sur Bitcoin Conseil, est subjective. Il n'y a pas de valeur objective. Donc toi, tu cherchais finalement à trouver quelque chose qui te permette de donner une valeur objective à quelque chose. Et tu as des indicateurs, donc c'est le stock to flow.
À l'heure actuelle, l'indicateur le plus objectif. Mais en fait, c'est pas ce qui fait que quelque chose a de la valeur. Ce qui fait que quelque chose a de la valeur, c'est que des gens l'achètent. Et si les gens les achètent, c'est parce que pour eux, ça a une utilité. Cette utilité, elle est purement subjective. C'est-à-dire que tu peux acheter quelque chose parce que, voilà, ça te permet de faire des trucs ou parce que c'est beau, tu ressens une émotion. En fait, et ça, tu le vois dans le marché de l'art. Si tu cherches à trouver une valeur objective au marché de l'art, ça va être très compliqué. Et dans Bitcoin, dans toutes les crypto-monnaies, en fait, qui sont le fruit de l'offre et d'une demande, cette demande est le propre de chacun et les motivations de chacun sont purement subjectives et appartiennent voilà, à chacun. Et comment tu pourrais objectiver ça? Ben, je ne sais pas. En fait, voilà. Non, mais Moi, ce que. d'où l'intérêt de cette discussion, hein. Moi, j'adore parce que tu vois, tu as un antécédent, toi. Samy, il a une lecture qui est encore différente. Moi, j'ai une lecture qui est encore différente. Et au final, je suis encore dans la shit connerie puisque tu m'as remis à l'ordre sur un truc, c'est que c'est vrai qu'Ethereum, c'est de la promesse. C'est de la promesse, effectivement. Ben, disons que la c'est la pour l'instant, c'est la finance décentralisée, oui, mais pour les millionnaires. Donc, et la promesse, ça, je suppose que c'est pas ce qui inspire grand monde. C'est-à-dire que ce qui inspire le monde, c'est que ce soit la finance décentralisée pour tous. Et c'est possible que ça le devienne. C'est-à-dire que moi, franchement, moi, je veux bien y croire, j'y crois. Il y a des solutions de layer de scalabilité qui vont permettre, Matic, quoi. théoriquement. Et Matic, je sais pas si c'est vraiment Ethereum, tu vois. C'est une sidechain, Ah, ça, c'est comment encore un elle. autre débat, effectivement, ouais. Commi-chain, en fait, tu perds la composabilité, tu perds un peu en C'est le décentralisation, Komodo mais c'est nettement d'Ethereum pour lui. décentralisé que comment ça s'appelle, que la Binance Smart Chain. Mais dans l'idéal, c'est surtout avoir un layer 1 qui se veut très inclusif de par ses fees, quoi. Donc un layer 1 qui soit en mesure de supporter beaucoup de transactions. Est-ce que ça va être exécuté dans les temps? On ne sait pas. C'est vrai que l'Ethereum Foundation a des antécédents sur les retards on va dire assez fous. Mais bon, ça va sûrement arriver. Est-ce que ça va pas se faire sans accident? Ouais. Une des faiblesses de Bitcoin par rapport à Ethereum, si on veut reprendre sur ce débat-là, qui a l'air de t'animer, toi, Capette, hein, Mais moi j'adore, c'est que en fait j'ai envie de gratter l'idéologie. Tu vois, là pour une fois, on peut parler d'idéologie sur ce live. J'ai pas beaucoup de chance de le faire autour de moi. C'est que voilà. tu fréquentes les personnes que tu veux, hein. Non, non, mais non, non, mais moi c'est les gens autour de moi, c'est à l'exception de la fréquentable, c'est plutôt des spéculateurs assumés, hein, Ah. assumés. Et pour la partie tech, finalement, j'ai pas grand entourage, on va dire. Et niveau idéologie, encore moins. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la spéculation, hein, on pourra y revenir, hein. Mais pour sur le fondamental, tu vois, par exemple, moi, ce qui me fait de la peine avec Bitcoin à l'heure actuelle, contrairement à Ethereum, c'est que Bitcoin, pour l'instant, c'est du capital mort. C'est-à-dire que c'est difficile de prêter tes Bitcoins, de les faire vivre, et ça, c'est la base de l'économie, en fait, de la finance. C'est que souvent, l'épargnant qui a un excès d'épargne le prête à, par exemple, un entrepreneur ou un porteur de projet qui a un déficit d'épargne pour construire ses projets. Et évidemment, l'épargnant prête cette épargne aux porteurs de projets avec des intérêts. Et ça, c'est le principe de la finance, qu'elle soit centralisée ou décentralisée. Et Bitcoin, finalement, c'est une même technologie que l'or, c'est-à-dire que c'est du capital que tu gardes, que tu stockes et que tu ne fais pas vivre. Ne le faisant pas vivre, il génère pas de rendement ou difficilement. Et quand tu veux faire générer du rendement à Bitcoin, en fait, tu le déportes sur d'autres supports protocolaires. Soit tu l'amènes sur Ethereum, soit tu l'amènes sur la BSC, soit tu l'amènes sur Matic, soit tu l'amènes où tu veux, soit tu l'amènes sur une place centralisée. Et c'est là que tu vas faire en fait fructifier tes bitcoins. Et donc du coup, Bitcoin à l'heure actuelle, elle n'est pas très adaptée à la rentabilité, c'est-à-dire à produire du revenu. Et Ethereum, lui, de facto, est beaucoup plus adapté à produire du revenu. Et ça, c'est quand même un des besoins de l'humanité. C'est-à-dire que le premier besoin, c'est de disposer d'une monnaie. Ça, Bitcoin y répond bien. Mais le second besoin, c'est de permettre aux épargnants de prêter leur épargne aux porteurs de projets. Et ça, Ethereum y répond mieux. Et c'est un gros marché aussi. Mais tu vois, là, il y a trop de trucs qui me viennent en tête, c'est incroyable. Déjà, parlons Bitcoin. Tu as Bitcoin Cash et tu as Bitcoin. Tu as Segwit Layer 2, on va dire, sur Bitcoin. Et tu as les big blocks sur Bitcoin Cash. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, au final, tu n'as pas de Layer 2, tu n'as pas de trucs comme ça sur Bitcoin Cash, ils ne l'ont jamais fait. Ou alors, ils ont rétropédalé plus tard. Je n'ai pas suivi. Mais je crois pas. Bitcoin Cash. Parce que
Désolé, j'ai pas tous les épisodes et je m'en excuse pour les gens dans le chat qui cherchent la petite bête pour nous rentrer dedans. Roger Ver, son axe de com, c'était moins de Big Block, basta. Big Block, basta. Pour Bitcoin Cash. Tandis que l'axe de com de Bitcoin, de ce que j'en ai compris finalement, c'est on fait plutôt des soft forks un maximum et on évite d'augmenter la taille des blocs, on essaie de bricoler autrement. C'est un peu ça, non? Mais Samy, je te laisse répondre, parce que toi, c'est ton pote, hein, Roger Ver. Enfin, tu parles, mais tu l'as en tout cas. Ouais, Roger, Roger, c'est surtout. Tout part d'une accusation qui est la suivante, c'est que la promesse, ou du moins la fonction décrite dans le white paper de Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, était, pour des raisons techniques, ne pouvait plus être exaucée, ne pouvait plus être rendue possible, car l'expérience de paiement sur le réseau Bitcoin original était exécrable. Et en fait, de par un manque de consensus de la part des plus grands contributeurs du réseau Bitcoin autour de l'augmentation de la taille des blocs, on s'est retrouvé avec un arrêt, un maintien du réseau Bitcoin sur ce format, sur ce format small block. Et donc lui, la résolution Segwit ne lui convenait pas et n'allait pas rendre Bitcoin à la hauteur de l'usage qu'il pouvait, que l'on pouvait lui trouver. Les frais allaient toujours être prohibitifs. Donc il s'est dit, moi, ma réponse à Bitcoin, c'est de créer une version modifiée from the core avec des blocs plus grands et donc en mesure de supporter plus de transactions afin d'offrir l'expérience réelle promise par Bitcoin initialement, qui est celle d'offrir une expérience de paiement accessible à tous. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est... Il y a pas mal de gens qui débattent sur le fait que est-ce que la vision de Satoshi Nakamoto, c'était pas d'avoir des blocs plus grands. Parce qu'en fait, Satoshi, enfin Bitcoin, la monnaie assez faible, Satoshi, il s'exprime plus depuis 2011. Est-ce que Satoshi n'aurait pas été pour l'augmentation de la taille des blocs? Et c'est là où... C'est pour ça qu'on voit du Bitcoin Satoshi Vision. C'est un débat qui est ouvert. C'est subtil, hein, parce que la taille des blocs n'était pas limitée dans le tout premier, dans les premières éditions de Bitcoin. C'était pas une contrainte. Et ce qu'il faut reconnaître à Roger Ver, et ce en quoi il a raison, c'est que Bitcoin n'est pas adapté au paiement. Non, en fait, c'est pas une monnaie de commerçant. Moi, le Bitcoin que j'ai connu, en fait, tu pouvais l'utiliser, tu pouvais faire des tests. Tu vois, quand tu envoyais un Bitcoin qui valait 1 euro, tu l'envoyais. D'ailleurs, c'est ce qui m'en a permis d'en perdre. Hein. C'est, je veux dire, tu les traitais pas comme ils valent à l'heure actuelle. Hein, tu vois. Mais n'empêche, pour, on va dire, la démocratisation de cette technologie-là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on te donne pas un Bitcoin, on te le donne pas. Et quand bien même on te le donnerait, tu vois, c'est un petit côté effrayant. C'est-à-dire qu'avant de le toucher, tu fais une transaction, elle coûte 5 à 10 euros, voire davantage dans les moments de... C'est inutilisable. Non, mais c'est inutilisable. Les premières expériences avec la crypto, quelles qu'elles soient, elles sont assez effrayantes. Tu dois mettre une clé publique, vérifies dans le blockchain explorer, parce que si tu comprends pas le concept de mempool, tu te dis pourquoi je le vois pas dans la blockchain, tu commences à trembler, c'est particulier. Tu installes Solet comme premier wallet Solana, tu sues, c'est horrible. Bien sûr, mais aujourd'hui ça se simplifie vachement, parce que... Bon. Ouais. Mais je sais pas, parce que t'as quand même, c'est quand même sur Bitcoin que tu as le plus de fournisseurs de services, c'est-à-dire que de places qu'il accepte, de wallets, etc. Ethereum, c'est très bien, mais Ethereum est en train de devenir aussi cher à utiliser que Bitcoin. La plupart des gens qui découvrent Ethereum et qui spéculent sur Ethereum ne le possèdent pas dans un wallet. Je veux dire, je serais curieux de savoir le nombre de gens qui utilisent Ethereum, la finance décentralisée, la DeFi avec le protocole Ethereum. Allez l'utiliser, allez vous servir de MetaMask, allez swapper un petit peu sur Uniswap, ça encore c'est la version gentille, et ensuite quand tu commences à utiliser les vrais protocoles, les compounds, les AAV, les machins, ça marche du tonnerre, c'est très fonctionnel, mais c'est extrêmement coûteux, c'est inabordable. Bon, en ce moment ça va du coup, mais... Depuis le début d'année, le swap, pas la un swap, mais pour faire du rendement, c'est-à-dire que pour faire du prêt, un swap, ça consiste à faire un trade, en fait. Et donc, c'est de la finance décentralisée, mais c'est la version, facile. C'est-à-dire que ce n'est pas du prêt contre intérêt. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je ne cible pas forcément la BSC. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, Matic m'intéresse. Hein. C'est-à-dire que toutes les solutions qui permettent de prêter ton capital et de le faire fructifier dans Matic, la BSC, c'est la première qui a été fonctionnelle avec un écosystème développé. Mais Matic, Solana,
ou AVAX ou toutes ces solutions-là. En fait, moi, la proposition de valeur de la finance décentralisée, c'est-à-dire que la proposition de valeur qui consiste à faire de l'argent avec son argent sans avoir une foultitude de papier comme on a dans le monde actuel, pour moi, c'est une proposition de valeur, c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du fric avec son fric. Tout le monde. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut pouvoir faire ça avec des petits sommes. C'est la définition de la finance, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Et là, la proposition de valeur, elle est énorme sur la DeFi, quoi. C'est faire de l'argent avec de l'argent, comme on dit, sans le banquier. Voilà. Qui vient C'est prendre des pour miettes. de l'argent sans son banquier. Parce que c'est quand même compliqué quand on l'a au milieu du lit, entre qui vient là, qui vient s'interposer, tu vois, pour te dire ce que tu peux faire ou pas faire. C'est moi, mon banquier, j'aimerais bien le mettre dehors. Sauf les saints banquiers. J'en Ah, salue, il y en a peut-être qui nous non, mais regardent. les J'en cinq rencontre banquiers, une on fois les sur vire pour cinq. la vie. Je rencontre des saints banquiers. Et ils offrent des services vraiment excellents. Donc on salue ceux qui font bien leur profession. Ça marche. Ouais, bah, j'en connais pas, moi, des saints banquiers, malheureusement. Ah, J'en connais pas. une Non, sainte mais. banquière, peut-être. Ouais. Le débat que je voulais amener justement pour revenir à cette histoire de Bitcoin, Bitcoin Cash, etc., c'est qu'en fait, c'est compliqué de faire consensus sur ce marché en réalité. Parce que moi, je suis arrivé en 2017, j'ai vu Roger Ver, bon, un peu chouineuse sur les bords, c'est vrai. Et moi, je sais ce que c'est Bitcoin. Bon, un peu chouineuse sur les bords, mais de bonne guerre. De bonne Franchement, il a guerre beaucoup parce fait. Il a que. beaucoup. Il était là avant tout le monde. Il a Ouais. fait. Il a remué ciel et terre. Enfin bon, moi c'est quelqu'un pour qui j'ai la sympathie. Il est dans l'erreur, mais c'est comme Amy en fait. Et c'est quelqu'un qui se trompe, tu vois, avec autant de conviction. Ça a quelque chose qui force le respect. Moi, je trouve ça hyper important. Et Roger Ver, vous savez comment je l'ai connu? Il y avait un gars à l'époque dans le secteur du gaming qui s'amusait à DDoS et pirater un max de monde. Et en fait, ce gars se sentait plus pissé. Et à un moment donné, vu qu'il adorait pirater des gens, etc., c'est un Français, hein, accessoirement, il a ajouté Roger Ver sur Skype. Et il a comment apparemment, il y a une personne de la famille, je crois la mère de Roger Ver, qui a un cancer ou un truc comme ça. Et il a commencé à lui dire, ouais, envoie-moi 10 bitcoins ou je vais terminer ta mère là, hein, qui a le cancer, etc. Et Roger Ver, il a pété un plomb. Et il a posé une prime, je crois, de 8 bitcoins sur sa tête pour le dox entier. Ah, c'est Et pas beau. j'ai eu vent, en fait, j'ai eu vent de cette prime. C'est pas beau. C'était Bitcoin Headhunter, un truc comme ça, un truc sur le cleannet en plus, hein, pas sur le darknet où tu pouvais poser des primes sur la tête des gens. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Roger Ver. Et c'était avant de me mettre dans Bitcoin. Et après, quand j'ai vu que bah, Roger Ver s'était mis sur Bitcoin Cash, etc., bah voilà. Mais Non, oui, mais clairement, mais il a ses démons, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de. Ouais. Si vous voulez découvrir le personnage, il est dispo sur la chaîne YouTube en interview et aussi il est sur d'autres interviews sur le site format texte. Il y a une interview en plusieurs chapitres de Roger. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup Roger, hein. Sinon c'est un bon Non, mais attends, personnage. mais il a fait des erreurs aussi, très certainement. Hein. C'est-à-dire que moi je ne le connais pas parfaitement, mais je sais qu'il s'y est impliqué depuis très longtemps. Il avait des idéaux qui étaient sympas. Après, il a fait des fucks qui sont notoires. Il y a le fuck de Roger Ver qui est quand même cosmique. Ça, c'est parce que quelqu'un l'a agacé, lui disait Bicash, 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 c'est Bitcoin Cash. Et lui, il a réagi en s'énervant comme un fou. Donc il a un petit côté, on va dire, puéril. Ouais. Bah, Puéril, c'est un peu pas dans ce facile genre. après, c'est pas facile, tout le monde n'est pas Vitalik malheureusement, et moi Mais je sais Vitalik, pas il ce est que j'aurais fait au-dessus. à sa place. Vitalik, il est au-dessus. Donc en Ouais, fait, ça lui passe au-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est ça vient Messie, du. hein, Vitalik. Hein. C'est mon Dieu sur Terre. Non, moi, à la place de Roger, je sais pas ce que j'aurais fait. Voilà. Et donc, ouais, au niveau idéologie, bah, tu vois, je vous parlais pareil de Matic, qui est une solution de niveau 2. Et je crois que c'est Samy qui m'a dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment Ethereum au final? Et ça, c'est pareil, en fait. Bah oui, mais pas que. C'est comme Polkadot. Oui, mais pas que. Enfin, c'est une surcouche, donc après, chacun fait un peu sa life, quoi. Mais bon, la finalité, c'est que tu as un Internet des blockchains. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est possible que le monde soit cross-chain en fait. Que... Ouais. C'est une question qui est devenue une incontournable maintenant dans les podcasts que je pose aux invités. Est-ce que vous croyez au futur cross-chain? En fait, c'est risqué de répondre non, il n'y aura qu'un seul winner parce que c'est une réponse voilà, qui est assez, on va dire, périlleuse à prendre. Mais on peut aussi croire à un futur où il n'y a que trois ou quatre grandes blockchains et le reste.
c'est de la poussière ou ça ne répond qu'à des besoins très 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 spécifiques. Et c'est vrai qu'il va y avoir une grosse sélection naturelle. Enfin, on peut facilement penser ça, je pense que c'est très possible. Ah Mais ouais, clairement. c'est cohérent, Samy, parce que en fait, on est dans une économie de réseau et en fait, personne n'a envie d'avoir 1 000 crypto-monnaies dans son portefeuille. Ça rajoute du trouble, ça ne sert à rien, en fait. Et l'idéal, ce serait d'avoir une seule monnaie comme une seule langue, en fait, parce que l'économie de réseau, quel est le propre de l'économie de réseau? C'est que plus tu as d'utilisateurs qui utilisent la même solution, plus ça apporte de valeur à chacun. C'est-à-dire qu'une monnaie n'a de valeur ou une langue n'a de valeur que parce que d'autres la parlent. C'est-à-dire que si tu es seul à parler une langue et plus de personnes parlent la même langue, plus elle apporte de valeur à chacun. Et c'est un effet démultiplicatif et c'est le propre des économies de réseau. Et une monnaie, typiquement, c'est la même chose qu'une langue. C'est-à-dire que plus de gens acceptent une monnaie, plus elle apporte de valeur à chacun. Et donc tu as une C'est la loi de économie où. Metcalfe, je crois. Ah, je la connais pas, mais c'est winner Ouais. take all, je pense. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça. Et c'est là où, bah, pareil, ta Bitcoin, c'est la monnaie, voilà, où on a des certitudes, comme vous l'avez dit, hein, on sait qu'il y en aura 21 millions à la fin, tout est clair, on ne change pas toutes les 5 minutes les règles du jeu. Donc, ouais, on va dire que c'est l'équivalent de l'heure 2.0 de ce point de vue-là. Après, on pourrait dire, quel va être le protocole pour les paiements? Est-ce que ça va être Bitcoin avec des solutions de niveau 2 type Lightning Network? Est-ce que ça va être Ethereum parce qu'il est gros et qu'il y aura le sharding? Est-ce que ça va être Solana parce qu'il n'y a pas de sharding? Tu vois, c'est pareil, c'est des débats de fou. Et je vois, moi, qui aime beaucoup la shitcoinerie, j'adore regarder aussi des propositions de valeur que je comprends pas toujours. Hein, on va pas se mentir. Ben moi, c'est là. Truebyte, Livepeer, Bluesell, des trucs comme ça, pour plein d'utilités différentes. Et en fait, je me dis, à un moment donné, on va avoir un paquet de crypto, on va avoir un paquet de monnaie et on va avoir un paquet de blockchain avec leur propre monnaie parce que chacun veut sa propre monnaie. Ils Tu veulent auras pas des, faire il y une aura des morts, blockchain. Capette. Il y aura des Ah morts. oui, ah, mais ça, Il c'est va y avoir sûr. des morts, hein. Et ça, il faut faire attention. Hein. Donc, bon, moi j'en ai quelques-uns sur les bras, hein, donc c'est pas grave, hein, ça arrive, mais pour moi, c'est éminemment improbable qu'il y ait 100 winners à la fin. 100, c'est trop. Et donc, quand tu vois qu'il y en a 1 000 et moi, je vois des explorateurs, tu vois, qui vont en dehors du top 100. Donc, quand tu commences à explorer en dehors du top 100, là, ce que tu joues, en fait, c'est de la montée en première division, hein, tu joues. Mais la première division, franchement, on dit. Combien de réseaux sociaux de grande portée il y a? Voilà, c'est une question que je vous pose, hein, c'est-à-dire combien vous utilisez de réseaux sociaux? Je pense qu'il y en a une douzaine qui sont, on va dire, Mais widely combien vous en used. utilisez? Combien vous en Alors, utilisez? moi, Toi, Capette, qui es un j'utilise homme de réseau. Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, TikTok par curiosité quand même, Instagram, ouais, j'utilise vite fait. J'utilise vite On fait. a 6. Ça en fait 6. Je Peut-être compte pas LinkedIn? YouTube. Si, j'ai dit YouTube. Mais ouais, allez, j'ai pas les Tu noms comptes comme ça, YouTube? mais je dois en avoir 6, ouais, je dois en avoir 7-8, quoi. Disons une dizaine, parce que Ouais. disons une dizaine, on va pousser chacun. Voilà, mais je pense que tu peux. Il En y a fait, ça, LinkedIn. tu peux l'appliquer aux cryptos, quoi. LinkedIn. Écoute, Samy, c'est là que ça. Non, mais Mais tu, LinkedIn. je pense que tu, LinkedIn, je ouais. peux, je pense que tu peux appliquer ce raisonnement aux crypto-monnaies. Ouais, mais ça dépend pourquoi. Ça dépend vraiment pourquoi. Parce que le truc, c'est qu'en fait. Enfin, ouais, mais en fait, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que. OnlyFans, il y a du OnlyFans, évidemment. Non, mais attends, il y aura des réseaux spécialisés, en fait. Il y aura des cryptos. Donc, il y en a pour les. Il y a des gammes, des goûts et des saveurs différentes chez chacun. Et il y en aura plusieurs. Moi, je ne vois pas un monde avec une seule crypto-monnaie qui l'emporte sur toutes les autres, parce qu'il y a des propositions de valeur qui vont être différentes. Mais je ne vois pas un monde avec 1 000 crypto-monnaies qui ont. Il y en a beaucoup dont la seule proposition de valeur est d'enrichir ses créateurs. Ça, faut le dire. Et ça, Après, c'est ce il que y a rappellent les existé. Bitcoin maximalistes, c'est ça. C'est ce qu'ils voient, c'est que ça. Mais ils ont Après, il y a raison quand même. Ils ont quand même existé. raison. Et pardon, moi, je t'en prie, je t'ai interrompu. Il y a Non, non, mais c'est bon, j'ai existé et fini. bien existé, finalement, ce qui préoccupe énormément des personnes qui achètent ces crypto-monnaies, finalement, c'est le prix. Il y a plein de cryptos qui, je pense, vont exister dans 10 ans, mais qui auront un prix ou une capitalisation qui sera médiocre à côté d'autres projets qui sont allés beaucoup plus haut. Et c'est ça la question. Il y aura 10 ou 15 énormes capitalisations parmi les cryptos d'aujourd'hui, et le reste sera peut-être un peu. Finalement, on les jugera qu'à leur performance. C'est difficile de prédire, de voir ce qui se passera dans le futur, quoi. Mais
Mais ouais, c'est. Ce qui est vraiment la merde dans cette histoire, c'est que je reprends les termes de Saint-Vitalik 2017, c'est est-ce qu'on a besoin de toutes ces monnaies différentes alors qu'on pourrait très bien faire des solutions techniques et payer avec Ethereum, par exemple, tu vois? Ou même Bitcoin. Et ça, c'est un long débat. Parce que là, je prends CoinGecko sous les yeux, par exemple. Moi, comme je suis très curieux niveau tech, côté business, etc. Donc, je vois des solutions de blockchain, mais je vois aussi des services. Par exemple, Theta qui est en stéroïde depuis un moment, hein, c'est visiblement, parce que même là, ce n'est pas tout à fait clair, un CDN décentralisé. Mais il pourrait très bien faire un token ERC20 et rester sur Ethereum d'une certaine façon et pas avoir leur propre blockchain. Donc, ils ont choisi d'avoir leur propre chain parce qu'Ethereum, ça allait pas assez vite pour eux. C'est pareil pour VeChain et c'est pareil pour plein d'écosystèmes, en fait. C'est qu'à l'arrivée, bah, Mais il pourrait y avoir un rollback. comment tu lèves des fonds sans ton propre token? C'est Non, dommage mais quand même. avec un ERC20, tu peux. Non, mais Avec un ça, c'est. ERC20, non, mais c'est vrai que sur Ah oui, non, pardon, sur Ethereum. Mais oui, non, mais c'est vrai que tu Un peux créer ton token, propre c'est asset. une Oui, chose, mais avoir ta crypto-monnaie et ta blockchain native, ça en est une autre. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment le gros bordel. C'est mais qu'il toi, y ça a. t'inspire. Mais Toi, ça moi t'inspire. ça m'inspire parce Ah. en fait, ça m'inspire parce que c'est pour ça que je suis dans la shitcoinerie et que j'adore ça. C'est que, au bout d'un moment, quand tu as un besoin technique, comme un CDN, du transcoding, peu importe. Je dis pas des mots compliqués pour vous donner mal à la tête. C'est juste que c'est des secteurs. C'est comme l'IA où tu vas traiter des données, tu vas compresser du flux vidéo, compresser machin. C'est que tu as un besoin technique très particulier. Et le problème, c'est que tu peux pas attendre que Ethereum ou Solana pondent une documentation et pondent une blockchain qui techniquement fit parfaitement avec ta solution technique. Donc tu es obligé d'avoir ta propre blockchain. Sauf que vu que pour le moment, hein. Vu que Ethereum, Solana, je cite que ça peut être NIR Protocol, Avalanche, peu importe, ça avance, ça avance, ça avance. Si à un moment donné, je me dis, bah, si ça se trouve, il y en a qui vont préférer quitter leur propre blockchain native, ça pourrait être VeChain ou peu importe, Oui, bien sûr, oui, c'est possible. pour revenir devenir des tokens ERC20 sur Ethereum, par exemple. Et c'est ce qu'a fait Keane sur Solana, je crois. Non? D'accord, Il oui, c'est possible, ouais, c'est possible, ouais. y en a qui. Ah, c'est beau, je n'ai pas observé ce cheminement inverse, mais c'est vrai qu'il est pas incohérent, finalement. Tu Bah vois, ouais. de. Parce que c'est chiant de penser aux validateurs, de mettre à jour, de faire la gouvernance, machin. Déjà, tu as ta solution technique à faire, mais en plus, il faut faire tout le bordel de gouvernance derrière. C'est chiant, tu vois. Faut se le permettre. Faut se le permettre. Et Mais c'est pour ça. souvent ça n'a pas de sens autre que d'embarquer, de faire innover. Enfin, ça n'a pas toujours du sens, hein, de créer sa Ouais. propre blockchain. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, VeChain, quand tu regardes un peu le white paper, je ne l'ai pas pensé de fond en comble, mais je m'étais amusé à regarder. Ça fait sens qu'ils aient leur propre truc. Parce qu'ils ont ce désir d'une sorte de centralisation dans leur truc, parce que ça rassure leurs partenaires pour la supply chain. Donc ça a du sens, tu vois. Mais il y a des choses qui peuvent aussi avoir du sens pour toi et pas pour d'autres, hein. Tu sais, ça, c'est possible, hein. Bien Alors moi, sûr. justement, je suis curieux parce que là, je te taquine. Mais donc, tu as dit plusieurs fois que tu étais dans la shitcoinerie. Alors, écoute, on y est, hein. Et souvent, les gens nous regardent, tu sais, il y a cette curiosité malsaine. Ils nous regardent pour ça. Est-ce que tu nous ferais un petit état des lieux de ton folio? Pas forcément un montant absolu, mais en valeur relative. Quelles sont tes petites chéries? Où est-ce qu'elles sont placées, etc. Alors, déjà, première précision. Oui. Sachez que depuis peu de temps, mon folio a bougé et qu'il n'est Il a pas. maigri. Et qu'il. Oui, bon, il a maigri, mais surtout qu'il n'est pas aussi rationnel qu'il le devrait. Et Ah, ça. Et mine, on ça. t'a pas convié pour ça. On t'a Non, pas non, mais convié. alors, non, mais c'est intéressant et c'est pas pour pleurer, me justifier, machin, c'est pour vous dire que. Dans des moments de baisse comme ça, on prend des décisions qui sont un peu plus, Insensé. je dirais, casino. Voilà. Et en ce moment, je suis un peu dans le casino, tu vois. Attention, c'est peut-être le pire moment, hein, mais parce que normalement, moi, ce que j'aurais préconisé, c'est de profiter de ces moments de correction pour se repositionner sur des players A qui ont maigri, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais Mais toi qui je fais l'ai le. fait, je l'ai fait, et puis j'ai fait des virages aussi, des virages Alors, casino. je t'avoue qu'il me reste aussi, moi aussi, ouais, voilà, quelques petites folies. Donc, ça, je comprends. Voilà, exactement. Et du Moi-même, on coup, est là pour rire aussi, hein.
Ben oui, non, mais clairement, mais en fait, tu sais, c'est un peu le côté rigolo de ce marché. C'est quand Vitalik te dit, ouais, j'ai mis 25 000 dollars sur Dogecoin et maintenant j'en ai 4 millions, ben voilà, tu vois. Vitalik a dit ça? Ouais, il a dans son interview Il l'a cette donné. semaine, il a donné ensuite 4 millions de Dogecoin, Mais c'est enfin pour ça 4 que c'est millions de un dollars. génie, hein. C'est pour ça que c'est un génie. Non, mais c'est en gros, non, mais le mec, moi j'ai adoré, il t'a dit, moi j'ai acheté du Dogecoin, j'ai posé 25 000 dessus parce que là, parce qu'il y avait un logo de chien et j'ai kiffé le logo de Après, sa chien, tu stack, elle était déjà de 30 millions, 40 millions, donc c'était peut-être vois. un Oui. bet qui était, tu Bien vois, sûr. relativement faible Il par faut faire rapport à toute sa 1%, il stack. faut faire 1%, t'as raison. Ouais, je pense que c'était 0,01%. Il n'a pas mis un truc genre 2% de sa stack dessus. Peut-être qu'il l'a fait, et là, du coup, c'est un fonds, C'est un c'est un dégel. VC fund. Bah ouais, c'est clair. Et C'est donc, du un coup, gros. les altcoins. Et je vous demanderai les vôtres aussi, parce que du coup, Bien sûr. voilà, bon. Bah, pas mal d'Ethereum. Je suis sorti de Solana pour essayer de le rattraper plus bas. Bon, pour le moment, je me mange un peu les doigts, mais j'assume. S'il repart sans moi, il repart sans moi. Hein, il y en a d'autres des crypto-monnaies. J'ai du LPT, LivePeer, Ah oui. que je kiffe de fou. J'ai Est-ce que du tu nous Fund. donnerais les raisons de tes acquisitions, Ouais. les fondamentaux, en quelques lignes, quand il y en a? Parce que en fait, c'est toujours, je me projette dans une use case. Donc, quand ça va être du Ethereum, du Solana, bon, là, j'en ai plus, ou du Avalanche, c'est je me dis, bon, là, on est sur de la bonne techno blockchain. Je pense qu'il peut y avoir des beaux effets de réseau. Et plutôt qu'être obstiné à être surélevé à une crypto, j'aime bien me diversifier sur des cryptos, on va dire, solides, avec des potentiels d'effets de réseau solides. Voilà. LivePeer. Bah, franchement, je l'ai connu parce que à un moment donné, je voulais faire un Twitch décentralisé et du coup, je m'étais amusé à bench tout ce qui pouvait exister pour le créer. Et à l'époque, bah, LivePeer, c'était le seul service de transcoding décentralisé qui se présentait. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul à avoir réfléchi comme ça. C'est pour ça que c'est dans le bac de Grayscale d'ailleurs, parce Ouais, que voilà, si parce que. t'as Pardon, excuse-moi. Non, non, mais moi je l'ai regardé, je ne l'ai jamais acquis, mais je ne sais plus qui c'est qui avait comme grand fonds. Il y a peut-être Coinbase Venture, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais il y avait. Gemini qui l'a listé, Kraken l'a On avait spoté listé. ensemble, moi, je me rappelle, avec sur Grayscale, Benoît, c'est vrai qu'il est dans le panier de Grayscale, en effet. Ouais. En fait, si tu veux, aujourd'hui. Bon, on va le dire avec une petite voix parce qu'on stream sur Twitch quand même. Mais il y a le monopole de YouTube Chuchote-le. et il y a le monopole de Twitch. Et en fait, bon, c'est des positions monopolistiques qui se sont faites parce que techniquement, ils sont au-dessus. Et surtout que si ça te traversait l'esprit d'en faire un concurrent, il te faut une capacité technique et économique pour pouvoir suivre cette concurrence, qu'en fait, bah, ils ont des monopoles qui sont inattaquables, absolument Mais c'est l'effet inattaquables. de réseau, c'est l'effet de réseau, hein. C'est l'économie de réseau appliquée. Hein. C'est-à-dire que Ouais. si tu veux produire des vidéos, les gens ne produisent pas de vidéos ailleurs, parce que pour produire des vidéos, il faut des gens pour les regarder. Et à partir du moment où tu n'as pas beaucoup d'adoption, et d'ailleurs, c'est la valeur phare d'une crypto-monnaie, une de ses premières métriques avant la tech, avant quoi que ce soit, c'est l'adoption. Bien sûr. Et pour créer l'adoption, pour moi, faut une utilité. Eh bien ça, c'est discutable. Parce que regarde, Dogecoin a créé une adoption de forcené avec une utilité tout à fait discutable. L'utilité, c'est que c'est le token de Musk. Voilà, appelons-le comme ça à présent. C'est un token casino. C'est les gens, ils viennent gamble. Et si tu viens faire un gamble, c'est un très bon token à gamble, en fait. C'est un très bon token casino, Doge. Et en plus, il y a le LOL. C'est casino et LOL. Donc, c'est que. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, si tu veux faire un YouTube ou un Twitch ou n'importe quelle plateforme de consommation de contenu vidéo en temps réel ou pas en temps réel, tu as besoin d'une solution de transcoding, LivePeer, c'est la seule, et tu as besoin d'une solution de CDN, c'est-à-dire de distribution du contenu vidéo, et là, tu penses à Theta et tu penses à Media. Et du coup, j'ai pas de Theta, j'ai du Media. Voilà. Media D'accord. qui a choisi Solana comme partenaire et avec qui j'ai pu échanger. Donc maintenant, c'est toujours pareil. Quand tu parles avec ces gens, ils te disent
Ouais, Theta, bon, moi je comprends pas trop leur truc, moi je vais faire mieux. Et ça, à l'époque, je l'ai entendu de la bouche de Ambrosius, qui était venu faire un meet-up à Nice, et qui me disait, ouais, VeChain, c'est tout dans le marketing. Et maintenant, bah, regarde la C'était le plus beau capitale. site web. C'était le plus beau site web du web. Hein. Moi, je me souviens, c'était une intro. Tu étais au cinéma, c'était Hollywood. J'avais De cliqué sur quoi? un... VeChain. On parlait pas d'Ambrosius là? Si, non, mais en gros, tu as Ambrosius qui disait VeChain, c'est que du marketing. Et Benoît qui dit Ah. VeChain, le site internet, c'était petite Ben, c'est pépite. vrai. Et C'est vrai. regarde. Moi, j'étais dans un remake de Tron ou je sais pas quoi. J'avais voyagé, j'étais au cinéma en fait. J'avais cliqué sur un truc, j'avais rien lu. Je m'étais mis devant l'écran et j'avais vu le site web. Je m'étais posé la question, mais combien coûte ce site web? Et en fait, je pense que une partie conséquente de la levée de fonds ou de l'investissement de VeChain avait été consacrée à leur site web. Et force est de constater que ça a marché. Et après, il y avait peut-être quelque chose au-delà du site web. Hein. C'est vrai. Hein. Capette, et ça, moi, j'ai jamais réussi à dépasser. Donc, j'étais plutôt dans l'équipe Ambrosius, hein, mais je me suis trompé. Visiblement, VeChain, ils servent à quelque chose parce qu'ils ont un réseau de Oh. partenaires qui l'utilisent. Bon, c'est vendu tel quel. Et Ambrosius aurait visiblement un réseau de partenaires aussi, mais bon, bah, Qui sert moins. Ambrosius, ils sont un peu dead dans le game, hein. Après, ça repartira peut-être, mais bon, quand tu compares VeChain et Ambrosius, voilà. Hein. Et ça peut être pareil, Theta et Media. Moi, là, je suis bien positionné sur Media. J'aime bien. Je me suis amusé. Qui a le plus beau site web? Je dirais Média. Ah, mais bon choix, mais t'as fait le bon choix. Si la règle, si la règle de VeChain s'applique, tu as choisi le bon. Non, mais c'est surtout qu'en fait, déjà, j'ai fait un truc con. C'est que si tu vas sur le site de Média, tu verras qu'ils ont un truc qui s'appelle Média Express, où tu peux soit utiliser leur truc à eux pour streamer de façon décentralisée, soit tu peux, en utilisant le code open source qui est sur leur GitHub, héberger ton propre nœud média et faire un stream décentralisé. Et eux, ils veulent faire du stream insensible à la censure. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez impressionnant, petite parenthèse, eux, ils sont follow par SBF, FTX et compagnie. Et l'autre jour, ils ont fait la promotion d'un stream d'un match de boxe ou de MMA, je ne sais plus. Ah oui, Piraté, ils en ont fait la promotion. C'était une plateforme qui faisait que rediffuser du contenu piraté. Et le Twitter en question, suivi par SBF, FTX, etc. Je me suis dit, tiens, ah ouais, c'est vrai que c'est SBF, rebelle, hein. C'est vrai que c'est rebelle. Hein. c'est rebelle, hein? C'est rebelle. Et voilà, moi j'ai testé, j'ai essayé de streamer dessus, ça marche bien. Déjà, Ok. c'est une Est-ce que tu as première essayé valeur. de streamer du contenu qui n'était pas le. Voilà, de faire un truc vraiment rebelle? Et il peut transcode, c'est-à-dire tu peux avoir accès à différents Non. bitrates. Enfin. Alors, non. Eux, ils doivent faire un truc. Non, non, non. Mais en fait, non, ils ne font pas de transcoding. Ils te Ok. balancent le flux. Donc là, justement, ce que m'a dit le gars sur Telegram, c'est qu'ils sont en contact avec LivePeer. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'eux, ils sont le CDN. Ils veulent aussi faire VPN décentralisé, DNS décentralisé, nom de domaine décentralisé. À voir. Parce que ça, on connaît, hein. Les promesses, c'est toujours compliqué. Et je pense que eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est ce bridge avec toutes sortes de solutions. C'est-à-dire que eux, c'est un CDN. LivePeer, c'est du transcoding. R-Wave, Filecoin, ce que tu veux, c'est du stockage. Et ils veulent faire des partenariats. Et après, je pense potentiellement aller voir des entreprises qui, au lieu d'aller chez Amazon ou AWS ou Cloudflare ou peu importe, bah, vont consommer du média, du R-Wave, etc., et faire le web 3.0, quoi. C'est ça la promesse. C'est super intéressant hein, ce que tu dis quand même, Capette, parce que toi, de toute évidence, c'est quand même un secteur ou une proposition de valeur qui te parle, parce que Ouais. tu es quand même un influenceur, donc tu as une chaîne YouTube qui est conséquente, tu as une chaîne Twitter, et tu as peur, une des phobies de chaque influenceur qui soit, c'est le strike. Je pense que tu vis dans la hantise du strike. Et Alors, j'en donc. suis pas au niveau du pauvre hacheur ou de Ouais, vous mais. qui avez vu votre chaîne sauter, c'était Mais elle est chaud. revenue, ça va et ça Allez, vient. Mais. ouais, non, mais c'est chaud. C'est Ah oui, c'est chaud, c'est méga franchement. chaud, c'est méga chaud. Et c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire que si tu strikes une chaîne, ça lui fait quand même, ça fait quand même mal commercialement. Donc c'est, je suppose que c'est pour ça que tu t'intéresses à ces solutions-là. Mais Enfin, totalement, peut-être. totalement, non, mais c'est surtout que je vais vous dire un truc. Je comprends, je vais faire attention à ce que je dis, mais je comprends tout ce qui est lutte contre le cyberharcèlement, etc., etc. Mais Twitter, quand je l'ai connu,
on s'insultait nos darons, personne n'en est mort. Hein. On rigolait, tu vois ce que je veux dire ? On rigolait. C'était pas des discriminations ou quoi, c'est juste on s'insultait nos morts comme des enfants, mais ça nous faisait rire, tu vois. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire sur Twitter. Oui, le politiquement correct, c'est quand même... C'est terrible. Moi, c'est surtout ça qui m'énerve. C'est ce côté politiquement correct à outrance. Je comprends après que voilà, y a des annonceurs, ils veulent pas mettre de la pub sur des trucs où ce soit du grand n'importe quoi. Un peu tenu, messieurs. Mais c'est dommage, quoi, parce que ça bride pas mal de choses. Et moi, je suis profondément contre le bridage de pensée. En fait, il faut que les gens puissent s'exprimer, tu vois. Pour moi, c'est important. Même s'ils disent des trucs, des grosses saloperies, des trucs comme ça, bon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait des stops, etc. Mais c'est pas, vas-y, je te pète en deux sans avertissement. Parce que vous n'avez pas eu d'avertissement, votre chaîne, elle a sauté. Ah non, mais nous, il n'y avait aucune justification. En fait, je pense que c'est t'as aussi des politiques de, finalement, de rétorsion. C'est-à-dire où, si des gens, quel que soit ton propos, en fait, qu'il plaise ou qu'il déplaise, s'allie pour te dénoncer, ou etc., tu peux te faire censurer. Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que tu es à la merci aussi de. Parce que par exemple, il y a les gens qui vont s'exprimer bien ou mal. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir si ce que tu dis est choquant ou pas. La liberté d'expression, c'est un sujet qui est très complexe. Mais tu peux avoir des gens du côté censure qui sont mal intentionnés aussi. Tout simplement, ton propos, en fait, déplaît ou est contraire aux intérêts de quelqu'un et il met en place des. Il va faire une politique de lobbying pour te faire taire. Tu vois, tu donc c'est sûr que moi je comprends tout à fait la proposition de valeur d'avoir des espaces de stockage qui soient résistants à la censure, des plateformes de streaming qui soient résistantes à la censure, etc. Après, l'adoption, ça va être tout un combat, et c'est vrai que le token a tout son intérêt parce que finalement les gens vont pas venir à moins qu'ils soient payés pour venir. Ouais. Voilà. Bah, faut qu'ils en aient un intérêt quelconque, hein, ça c'est clair, et c'est pour ça que ça va mettre du temps. Hein. Moi, je suis un peu bériche pour laisser. Désolé, je t'ai interrompu, je t'en prie, café. Non, vas-y. En fait, moi je suis un peu bériche avec les CDN, donc les Content Distribution Networks, les plateformes de streaming décentralisées, parce que pour moi, ce sont des layers, des solutions qui ne sont pas. Qui pour moi, c'est juste mon point de vue, qui ne sont pas prêtes de réussir avec le taux d'adoption actuel. C'est quelque chose qui, je pense, va extrêmement briller dans 5 ans ou dans 10 ans. En fait, moi, je vois Microsoft qui lance Mixer, son pseudo-concurrent à Twitch, qui investit des dizaines de millions, si ce n'est des centaines de millions, pour faire marcher le truc en payant des streamers, mais les yeux de la tête, pour qu'ils streament exclusivement sur la plateforme. Et ce que je vois, c'est que malgré tous les efforts en fait employés pour catalyser cette plateforme, ou plutôt faire démarrer cette plateforme centralisée de streaming, le truc a floppé. Alors, je me dis que quelques acteurs, malgré une technologie un peu révolutionnaire ou autre, ou une infra à peu près sympa, ou j'en sais rien, qui lancent leur propre CDN, je sais pas si ça va marcher encore plus dans le contexte de marché actuel qui est un peu février. Moi, je suis pas forcément aussi bériche que toi, Samien. C'est-à-dire que quand même dans l'économie de réseau, il y a des gens qui ont réussi à renverser des empires en très peu de temps. Par exemple, tu as Tinder, qui a réussi à renverser Mythic en un espace de temps de 6 mois. Ça n'a rien à voir. J'aurai une réponse à vous donner après. Prenons OnlyFans. OnlyFans qui va spécialiser sur du streaming vidéo, très probablement. Et je suis sûr qu'ils vont trouver une place de marché ils vont arriver. Ils le font déjà, OnlyFans. Ils font streaming, ils font vidéo, ils font vidéo avec censuré avec des emojis ou des floutages, des trucs, et tu payes pour enlever le machin. J'ai étudié le business model. J'ai voulu concurrencer. Et donc, je me suis retiré. Bah, tu n'avais peut-être pas les arguments, Capet. Par exemple, bah, OnlyFans, tu veux concurrencer techniquement, tu concurrences. Effet de réseau, compliqué. Moyen de paiement. Trouver des partenaires de paiement dans le circuit du porno, c'est pas facile. Tu peux prendre des impayés vraiment solides et tu prends un impayé qui te coûte ta trésorerie, finito. Hein. Donc c'est pour ça. Moi j'ai dit niet. Mais je m'y étais intéressé, voilà, pour la petite parenthèse. Et pour cette histoire de CDN, désolé, je t'ai coupé, Benoît d'ailleurs. Pour moi, c'était juste ça. C'était quelque chose qui. Je pense que c'est inévitable. Hein. Ces plateformes vont s'illustrer, vont briller d'ici quelques années, mais on a besoin de plus de conscience autour des crypto-monnaies, de plus de gens qui possèdent un wallet. Il faut aussi que les outils, en fait, les wallets soient beaucoup plus simples d'utilisation, beaucoup plus démocratisés, distribués.
Là, on n'y est clairement pas. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui serait intéressant à choper dans un bear dans 3-4 ans ou peut-être même dans 7-8 ans. Mais ça va être très dur de voler la vedette à YouTube et à Twitch sur le plan de l'expérience utilisateur, la qualité de service avec une solution décentralisée. Mais j'excuse, enfin, moi, je pense que ça a toutes les chances d'arriver. Mais est-ce Mais que tu sais qui maintenant. c'est? Tu sais qui c'est qui peut pousser vers ces solutions-là, Samy? C'est les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire que si la censure s'intensifie, si la liberté d'expression, en fait, sur ces plateformes-là devient vraiment contrainte, eh bien, à ce moment-là, il y aura peut-être un switch. Exactement, On exactement. ne Mais croit là, pas. on n'y est pas encore et les gens semblent peu se soucier, même si tu as quelques créateurs de contenu qui se font ostraciser de ces plateformes-là. Pour l'instant, on n'a pas assez de censure pour que ça devienne critique. Mais on ne peut pas exclure. Ça peut arriver, tu as totalement raison. Mais moi, je me base juste sur l'échec de Mixer. Mixer, en fait, c'est un concurrent de Twitch qui était proposé par Microsoft, dans lequel Microsoft a investi des montants, mais colossaux. Je pense que le backbone technique derrière était correct. Il Ça n'a était pas très bon. marché. Ouais, voilà, il était bien. Donc, je me suis dit, Très, bon, très bon. je Mais en fait, le le ça seul marche. avantage technique de Mixer, il y en avait deux. Parce que je vous ai dit, hein, j'ai voulu. Moi, j'avais fait un concurrent de Twitch à l'époque. Ensuite, je l'ai arrêté parce que bon, mon partenaire, c'était Dailymotion.com. Donc, voilà. Ensuite, j'ai regardé la concurrence. Donc, à l'époque, il n'y avait pas que Twitch. Tu avais Azubu, tu avais Livestream.com. Et tu avais Mixer, tu avais Hitbox.tv, enfin, tu en avais plein. Et donc, Beam.pro devenu Mixer, ils avaient deux avantages. Le premier avantage, c'était les streams très basse latence, donc de l'instantané, ce qui était une grande première. Aujourd'hui, Twitch est capable de le faire. À l'époque, ils n'étaient pas capables de le faire. Le deuxième avantage, c'était stream interactif, c'est-à-dire que tu consommais le contenu sur Mixer, tu gagnais des points, et avec ces points, tu pouvais dire je veux exécuter telle interaction dans le stream. Et tout le monde s'en battait les couilles. Donc à l'arrivée, en fait, bah, les deux features sans question, elles n'ont pas fait mouche. Et bah, comme dit, vu que tu as tous les faits de réseau de Twitch, ça n'a pas pris. Mais moi, en fait, au-delà des marketplaces de contenu vidéo et stream que sont Twitch et YouTube qui vont être vraiment difficiles à aller chercher, juste déjà avoir une plateforme où quand toi tu fais un événement, ça peut être, je sais pas, un concert, tu sais, un Tomorrowland, une DEFCON, ou des Jeux Olympiques. Tu veux juste, au lieu de t'embêter à faire ta propre architecture technique, passer par des partenaires centralisés, bah tu veux passer par ces trucs-là et rajouter ta pub par-dessus. Ça peut le faire, je pense. Je pense que ça peut le faire. Mais quand, je sais Ok. pas. Bon, le débat est ouvert sur la proposition de valeur. Donc, toi, ça fait partie de ton folio, un focus, on va dire, sur place de streaming, finalement, contenu, vidéo, non censurable. Donc, ça, c'est une partie de ton portfolio. On continue sur quoi? Continuons, mes amis. Bah écoute, après, j'ai pas mal de XKI, du coup, qui. Qui? Fondation. Ouais. Ah, Samy, toi, t'as suivi ça de près. Ça, j'en ai pas mal. J'ai pas suivi. Je me suis laissé embarquer là-dedans parce que j'ai des collègues qui sont placés, parce qu'on a eu une opportunité. On a fait un deal où on devait présenter le projet en live et ils nous ont permis une belle entrée. Et je trouve l'offre sympa. Donc j'espère vraiment que d'une, les promesses vont être tenues sur le long terme et que de deux, Reda, si jamais il nous écoute, ce qu'il va pas faire comme Dan Larimer où il va s'en occuper 2 ans, il va passer à un autre projet. Voilà. Parce que c'est un reproche qui a été fait sur notre live. Justement, et tout est très volatile sur ce marché. Donc, même si on a eu l'occasion de discuter avec Reda, etc., j'espère vraiment que ça va être là sur le long terme, quoi. C'est hyper important. Voilà. Je sais pas si tu connais du coup le projet. Bon, Samy, il connaît du coup. Samy, je crois, moi je connais très peu en fait. J'ai juste vu un white paper. La police d'écriture ne m'a pas plu, donc je suis passé à côté. Tu vois, c'est un jugement en fait très superficiel. Hein. Non, mais Voilà, c'est beaucoup c'était comme peut-être ça, une hein. erreur de ma part. Parfois, C'est beaucoup ça comme joue ça avec ça crypto. joue à une police d'écriture. Hein. Tu sais, la vie, ça se joue à peu de choses. Donc, non, moi je suis non compétent sur le sujet. Ok, bon bah voilà, c'est un bridge entre la DeFi et la CeFi. Plein de partenaires dans le monde IRL, on va dire, et puis quelques partenaires dans le monde de la DeFi, des bonnes recrues. Donc pour le moment, on va voir. On va voir. Et puis bah on verra si je me suis planté ou pas, mais ouais, Non, je suis mais bien c'est le jeu, c'est positionné le jeu, c'est le là. jeu, de toute façon. Ouais. Et C'est compliqué, ouais. est-ce qu'il te reste, est-ce que tu as des bitcoins ou pas du tout? Ou plus du tout? J'en ai un tout petit peu.
J'en ai pas beaucoup. Non. J'en ai Un pas beaucoup. soupçon. Un soupçon. Ouais, j'ai un soupçon de Bitcoin, exactement. Voilà. Après, ouais, j'ai pas des. J'ai plein de petits coins à la con par-ci, par-là. EOS, GRT, Ouf. etc. Et ouais, Mais. moi j'en ai eu, hein. Tu sais que je les ai aimés, je me suis fait saucer par Kyle Samani, qui est quand Samani. même ouais, qui est un C'est monstre, qui donc ça? qui est un des cofondateurs de Multicoin Capital, qui est Il va venir sur la chaîne, hein. On vous le réserve. ah, C'est c'est un le monstre. cofondateur. Intellectuellement, c'est un mec qui est au-dessus. Il t'écrit des thèses d'investissement, c'est des livres. C'est moi, je les potasse la nuit. Et quand je trouve pas le sommeil me vient instantanément. Et il est très brillant. C'est-à-dire que quand l'écriture, c'est quand même un miroir sur la pensée, tu vois. Et moi, je tout de suite, quand je me suis plongé dans les écrits de cet homme, je me suis dit, waouh, il a une profondeur de champ de lecture incroyable. Et la première thèse que j'ai lue de sa personne et qui m'avait subjugué était sur EOS. Bon, j'ai pris un bouillon, c'est-à-dire qu'il m'a saucé. Il se plante une fois sur 10, je suis tombé dessus. Et voilà. Et donc, EOS, ça faisait partie de ses petits champions. Mais il y en a plein. Là, son champion actuel, c'est Solana. Solana, c'est un des champions de Il en a Kyle plusieurs, il a Helium, il a Samani. Solana, il en a Il y a plein Réco Magique. qui. Ouais. Alors, il faut Bah... savoir que dans ces pépites, il y aura forcément quelques coups fourrés. Hein. Moi, j'en ai. C'est-à-dire qu'il y aura quelques dragées. Il faudra passer par là. C'est-à-dire que tu peux marcher sur une mine. Hein. Mais je Voilà. sais, mais en fait, le problème, c'est toujours cette histoire de volatilité, c'est que l'offre de EOS, elle était bonne. On était dans la logique Et Layer le One, tokenomics, grosse c'était dégueu. transaction. Et puis, bah en fait, qu'est-ce qui leur a pété à la gueule, EOS? La première, c'est que c'était centralisé au niveau des blocs producteurs. Donc, ça leur a vraiment explosé au visage. Mais ça, très honnêtement, oui, c'est un cartel en fait. Oui, c'est une ploutocratie. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ces inconvénients-là. Mais je suis désolé. La plupart des projets alternatifs à Ethereum sont très centralisés. C'est-à-dire que et alors il y a des débats. Oui, non, machin truc. Bon, les maximalistes vont arriver, vont débarquer dans la pièce, ils vont vomir, ils vont dire ah scam, ils vont partir. Tu vois, ce Ouais. sera pas une pensée très On est constructive. là pour vous Mais voler. voilà. Mais si tu prends la BSC, c'est centralisé. Si tu prends Matic, c'est centralisé. Est-ce que c'est l'aspect centralisation qui a empêché à EOS de fonctionner? Franchement, je pense pas. Mon autocritique, c'est tout simplement les tokenomics. C'est-à-dire que quand tu fais une levée de fonds qui fait 4 milliards, quel projet si. C'est-à-dire que tu finances un truc, il n'y a pas de produit, il n'y a rien, on est super early, et tu donnes 4 milliards à des mecs, mais le rendement, tu vas le chercher où? C'est-à-dire que à un moment donné, personne n'a besoin de 4 milliards pour bootstrapper une société. Et donc, forcément, ben après, ils vont boire des cocktails. Moi, si j'ai. Donnez-moi 4 milliards pour lancer une société, elle va prendre plus de temps que prévu, je vous assure. Parce que finalement, quand j'ai levé mes 4 milliards, c'est comme si j'avais Non, mais c'est réussi, en fait. clair. J'ai même plus besoin du produit, tu vois. Mais non, Mais. on peut aller to the moon, mais for real, on peut sponsoriser un programme spatial avec 4 milliards, on va aller to the moon, on va pas coder, ça Ah c'est non, hors mais de on n'y va question. plus. On est allé à To the Moon. C'est-à-dire que si tu lèves 4 milliards, ça veut dire que tu reviens. À la limite, il faut revenir de la Lune et se poser sur Terre. Mais l'aller, tu viens de le faire. Mais c'est Donc, clair. C'est clair. t'as trop Ils reçu. ont sorti aucun putain de produit. Dan Si, Larimer, il a fait mais si, son. ils ont fait des trucs. Mais Dan Larimer, il va venir prendre des vacances. Et au bout d'un moment, il avait 4 milliards, il avait bien travaillé. Je veux dire, il avait monté une belle success story. Et voilà, et ça a échoué. Et donc, moralité, je me suis dit, bon, plus jamais je mise dans des ICO non capés. Le non capé, c'est devenu. Ça avait marché à la grande époque d'Ethereum. C'est-à-dire que Ethereum était une levée de fonds non capée qui avait levé 18 millions et qui vaut voilà, des centaines de milliards aujourd'hui. Donc, il y a eu un bon ratio, un bon rendement. Tu vois. Mais EOS, ils ont levé 4 milliards direct et ils ont fait le chemin inverse. Donc, ça me fait penser à la blague de comment il s'appelle le milliardaire. Comment tu deviens millionnaire? Mais d'abord, tu achètes une compagnie aérienne, tu es milliardaire, tu achètes une compagnie aérienne et tu deviens millionnaire. Et c'est ce qu'ils ont fait chez EOS. Ils ont Ben, fait le parcours. t'as vu que là, ils ont prévu de lancer un DEX avec un financement de Je les ai ostracisés. 10 milliards, mais c'est eux qui apportent tous les milliards. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est Je les juste. ai ostracisés. On dirait que c'est juste pour faire une headline, quoi. Ils font un fonds, ils annoncent une levée de 10 Mais milliards dans laquelle ils je apportent comprends 9 pas. milliards. Je comprends pas. Et vraiment, ça me frustre parce que ouais, j'étais assez bullish. J'ai jamais investi vraiment dessus au final parce que j'attendais que ça fonde. Et au final, ça a très fondu et il n'y a pas eu de concret en face. Donc voilà, je me suis retiré de tout ça. Mais là, cet été, ils sont censés sortir un réseau social qui s'appelle Voice. Ah oui. Oui, mais ça fait un moment, ouais. Et maintenant, ils parlent de plateforme de NFT. C'est plus trop réseau social. Donc déjà, ils ont changé d'étiquette.
Mais après, c'est difficile. Social media. Après, bah, c'est difficile. Tu as quelque chose qu'on appelle le time to market. Et à partir du moment où tu l'as raté, tu vois, je veux dire, normalement, tu as un one shot. Hein, c'est-à-dire que tu as un time to market, tu as un engouement, tu as une forme de hype qui se crée autour de ton projet. Et c'est là qu'il faut, il faut tirer. Tu vois. Et si tu rates ton time to market, c'est très compliqué. Et moi, un truc que j'ai jamais aimé avec EOS, c'est que pour ouvrir un compte, il te fallait déjà des EOS. Et donc, pour créer un wallet avec la plupart des solutions, tu n'as pas besoin de token. Donc, tu peux arriver les mains dans les poches, te créer un wallet, fournir un service, vendre ton corps, vendre ton âme, vendre quelque chose et recevoir en échange la crypto-monnaie subséquente. Et bien là, tu ne peux pas. Là, tu es obligé d'avoir déjà... C'est pour se protéger contre le flood. C'est une barrière à l'entrée. C'est une barrière à l'entrée. C'est pour l'adoption. Il fallait mettre 12 euros, je crois, enfin, à l'époque qu'on avait nos wallets. Et donc, c'est un frein à l'adoption. C'est un frein à l'adoption monumentale, sachant que moi, maintenant, ma première valeur, c'est l'adoption. Et donc, bon. Bah oui. Oui. Mais c'est comme moi, quand je bossais sur un projet, ça va, on n'a pas eu le temps de le glisser. Quand je bossais sur un projet de stablecoin, ce que je vous disais. Bien sûr. Que je faisais mes benchmarks de solutions de blockchain, donc c'était en 2017-2018, bah à l'époque, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Et au final, nous, ce qu'on avait pensé, c'était Stellar Lumen. Mais alors, Stellar Lumen, faire des custom tokens sur Stellar Lumen. Tu as essayé ou pas de les faire? Bah, on avait commencé à essayer, mais en fait, pour l'adoption, c'est pareil, c'est à chier. Parce que si tu veux envoyer un custom token à quelqu'un, il faut qu'il ait d'abord des Stellar sur son wallet pour pouvoir derrière recevoir le custom token. Et je crois que c'est pareil sur Solana d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe. Mais il me semble que pour ajouter le nouveau custom token, d'abord, tu dois faire une transaction Solana, même si elle est ridicule. Non, pas sur Phantom. Oui, la parole est à toi. Pas sur Phantom, peut-être. Pas sûr. En fait, ça, c'est une grosse douille d'UI de Solette. Okay. Sur Solette, en fait, à chaque fois que tu veux ajouter un SPL, donc qui est l'équivalent du standard ERC20 sur Ethereum pour Solana, eh ben, tu dois payer du gaz pour ajouter, créer une nouvelle adresse. Enfin, c'est un truc totalement absurde. Mais c'est ça que je ne comprenais pas, tu vois. Sur Phantom, t'as pas ça. Sur Phantom, en fait, tu peux envoyer à la même adresse n'importe quel custom token et t'as tout qui est ready. Dès que tu le reçois, il se display, en fait. C'est très, très bien foutu. Ouais, mais... Solette est juste contre-intuitif et mauvais sur certains points. Mais c'est quand même, Samy. C'est quand même ridicule d'avoir le main wallet d'un projet qui est contre-intuitif. C'est quand même. Mais c'est pour ça qu'il y a le hackathon. Il va vite dégager, je pense. Oui, j'espère qu'ils vont le corriger. Mais après, Solette, ils gardent une seule utilité. Si jamais votre Phantom ne marche pas, parce qu'ils utilisent encore les RPC publics de Solana ou autre, allez sur Solette. Solette, ça, c'est beaucoup plus fiable que Phantom. Mmh. Phantom, parfois, il marche pas. Il vous broadcast pas les transactions ou autre. Et là, Solette, il marche. Mais Solette, c'est pas. Ouais, ça casse. Enfin. Voilà quoi. Il y a des trucs vraiment, tu comprends pas et je vois ce que tu veux dire, Capet. C'est très bizarre. Mais très, du coup, techniquement, qu'est-ce qui expliquerait que Phantom ça marche? C'est que eux ils ont une trésorerie qui font qu'ils encaissent le frais pour toi pour que. Ah non, c'est juste je pense que c'est juste une absurdité sur Solette. En fait, Solana, le SPL réplique le RC20 standard, une adresse. Solana simple, SPL en fait. Elle peut recevoir les custom tokens et le native token. Mais il n'y a pas besoin de. Et puis tu peux les. Il n'y a pas besoin d'activer. Il n'y a pas besoin de transaction. Ouais. Ah non. C'est une ça semble logique et intuitif, mais pourquoi Solette procède comme ça? Moi, je ne sais pas cette même merde que Stellar Lumen. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est pas que du ce tout. C'est très bizarre. Je me suis posé la même question. Non, c'est juste Solette qui fait n'importe quoi, je te rassure. Ça se passerait bien sur Phantom. Bon, tant mieux. Tant mieux. Ok. Voilà. Donc, ouais, c'était Stellar Lumen à l'époque qu'on avait bench en prio parce qu'il n'y avait pas toutes les belles blockchains qu'on a maintenant. Et bah, t'es limité au niveau des smart contracts. Niveau ergo, c'est la merde. Alors, ils sont disponibles sur leur Slack pour te parler, mais franchement, quand t'as des questions un peu techniques, tu fais pas grand chose. Donc, c'est compliqué de build sur Stellar Lumen. Donc, de toute façon, on n'a jamais sorti le projet au final. Et qui est resté de la belle époque hormis Bitcoin et Ethereum? Ripple, vieux frère. Non, tu es toujours. Non, mais je te parle dans tes supports d'investissement. Dans mes supports d'investissement. Mm-hmm. Parce que je suppose que cette tendance, cette curiosité maladive, tu l'avais il y a longtemps, tu l'as encore gardée, tu vois. Non, j'ai lâché. Si, alors s'il y en a un, c'est l'ARK.
Oh. Ark Ouais. Invest? Non, 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 ARK, la blockchain en DPoS. Samy, Si, il aide-moi. y a la ARK, c'est ça. Arc, ben c'est Arc. Des Ouais. arcs. Envoyez-nous des sous. Mais made in France. Oui. Bah, mais c'est bien, écoute, Cocorico. Bah, Non. Cocorico, et puis à l'époque, ça parlait d'interopérabilité, bridge, machin. Donc, pareil, on est dans la chic connerie. Oh là là, on va profiter du réseau Ethereum sur ARK, sauf qu'ARK a un block time plus court, des frais plus bas. Ça va être la fête. Bon. Ah, Et montre-moi là, ce graphe, Samy. Balance-moi un après, graphe. il bosse, Étude de hein. Moi, graphe. je sais Étude de qu'il bosse, graphe. hein. Étude Je de sais que ça graphe. bosse. Maintenant, niveau adoption, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont des partenaires qui choisissent ARK comme blockchain, solution blockchain? Ça vrombit. On voit un petit vrombissement. Je sais Ça pourrait repartir à tout moment. Est-ce que tu fais... Attends, ça c'est une question subsidiaire. Est-ce que dans tes stratégies d'investissement, est-ce que tu fais de l'analyse technique? Est-ce que tu es sur le fondamental? Les Quels sont tes deux. motifs, tes leitmotifs? Les deux, et puis Ah. c'est pas très mauvais techniquement, hein, disons-le, mais en fait, j'essaie de ne surtout pas sauter sur des bougies vertes et j'essaie de catcher des bottoms quand ça ressemble à des bottoms. Voilà. Donc, je les ai Ok. pas tous, hein, je les ai pas Non, tous, et puis des fois, I buy the dip, but it continue dipping, non. forcément. Mais tant qu'à faire, on évite de sauter sur les bougies vertes un maximum. Quitte à rater des opportunités, c'est pas grave. J'ai pas de problème avec Ok. ça. Voilà. Et donc, vu que là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas, on ne trouve pas C'est les vrai. bottoms, bah, je touche à rien. Et puis, je laisse le marché prendre la caisse, me la rendre, prendre la caisse, me la rendre. Et je m'en préoccupe pas. Je m'occupe des fondamentaux. J'essaie de renforcer mes fondamentaux. Ben c'est bien, écoute. Parce que c'est ça qui m'attache à ce marché au final, c'est que vu que je suis pas bon techniquement, si je suis pas bon niveau fonda, bah Ah, t'es il y foutu, a mais t'es pas rien bon tout qui court. T'es y pas a bon tout rien non court. non mais surtout il y a rien qui te retient à l'arrivée, tu vois ce que je veux Oui, dire? mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, ma théorie, c'est que en fait, dans les cryptos, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il va falloir souvent tenir ta crypto sur le long terme. Mais c'est vrai pour n'importe quel investissement en seed, en fait. Les gens qui vont gagner énormément d'argent, ce sont ceux qui sont rentrés tôt et qui vont sortir tard, typiquement Facebook. Mais le problème, c'est que c'est rentrer tôt et sortir tard, c'est pas un chemin qui est linéaire, en pente douce Non. et qui monte tranquillement. C'est fait de crevasses, d'accidents de la route, d'accidents de la vie. Mais en fait, pour tenir ta position des mois, des années, il va falloir de sacrées convictions. Et ces convictions, en fait, tu vas réussir à les avoir avec le fondamental. Et en fait, les crypto-monnaies que tu achètes sans vraiment savoir ce sur quoi elles sont basées, au premier coup de vent, au premier, en fait, coup de froid, C'est pas facile. ça va être très, très dur à tenir, en fait. Et si tu les tiens, ça va peut-être être de la bêtise. Parce que si tu t'accroches à quelque chose sur lequel tu t'es pas renseigné, autant lâcher. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est que c'est sur le fondamental que tu vas bâtir tes convictions. Et voilà. Et après, il faut savoir quand tu lâches, quand tu te trompes ou quand tu t'acharnes. Ouais, et puis Après, il tu peux pas faut. timer les tweets de Musk en plus, donc Mais les tweets de Musk, moi, franchement, il m'en touche une sans secouer l'autre. Hein. Ouais, C'est-à-dire que, mais le marché, voilà. non. Mais le marché, Marché, non. non. Mais tu vois, quand tu investis dans Dogecoin, clairement, c'est un gamble que tu fais. Voilà. Quand il fait la pluie, enfin, pour moi, c'est la décision d'investissement sur Bitcoin, par exemple, elle n'est pas dépendante de Musk. Alors, je suis très Oui. content quand il mise ses 1,5 milliard dans Tesla. Pour moi, ça signifie quelque chose parce qu'au-delà du tweet, tu as eu du capital, tu vois. Mais 1,5 milliard de capital, oui, moi, ça me parle, tu vois. Quand il fait un tweet pour dire oui, c'est énergivore, non, ça ne l'est pas, je sais pas quoi, il parle de sa copine, il parle de n'importe quoi. Bon, il est clairement en train de troller. Et voilà, je lui accorde l'importance qu'a un troll. Non, non, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que en soi, cette correction, elle nous pendait au nez. Ce qu'on s'est mangé là, ça nous pendait au nez. On a eu des tels excès, voilà. Donc après, est-ce que Musk a précipité les choses? Est-ce que ça a été juste un prétexte? Est-ce que machin? Est-ce que truc? J'en sais rien. Mais c'est juste que, tu vois, si tu t'en réfères qu'à l'analyse technique, bah, par contre, tu peux clairement dire que un tweet de Musk, ça Oui. prend. Ou ça chute quoi. Et ça, c'est incontestable. C'est juste que ça time Oui. le truc en fait.
Je suis d'accord, mais tu peux pas, sur l'analyse technique, mais ça, tu vois, par exemple, c'est pas vraiment de l'analyse technique, puisque tu peux pas le prédire. Moi, moi, je te mets au défi avec l'analyse technique de prédire un tweet de Musk. Ben non, tu peux Tu pas, c'est ce vois? que je dis, tu ne peux pas. Et donc, c'est du fondamental. À la rigueur, tu peux mettre un bot qui scrolle son Twitter, tu vois, et essayer d'interpréter par de l'intelligence artificielle si c'est positif ou négatif, mais tu vas te vautrer sans doute monumentalement. Donc, en fait, ce que tu peux faire, c'est probablement programmer une alerte qui dit si si Musk a mis un tweet avec Bitcoin ou Ether ou Doge, tu te réveilles. Donc, mets une Ouais, décharge tu me sais, électrique et tu me c'est comme sais. ça tu prends une décision. Mais voilà. Tout à Mais fait. bon, mais moi, Musk, tu vois, par exemple, quelque chose qui me ferait bouger ou pas, c'est si j'apprends, tu vois, le tweet où il dit j'ai vendu tous les bitcoins que je possède, oui, là, ça va me faire plaisir et donc je vais réagir, tu vois. Mais bon. Yes. Et du coup, je ne vous ai pas demandé vos positions. Eh oui, vos positions en alt, messieurs, racontez-moi vos coups de cœur, vos loves. C'est important. Alors moi, je me suis dégonflé récemment, c'est-à-dire que j'étais pris de panique, et donc je suis repassé en stable. Hein, c'est peut-être la mauvaise influence de Samy qui fait des pointus ou des choses comme ça, pas toujours, ou la bonne influence. Et donc j'ai rebasculé, j'ai vendu pas mal de chats morts aux alentours des 40 000. Et là, j'ai dégazé parce que ben, pour vivre plus sereinement. Après, évidemment, quand je possède des stables ou des stables essentiellement, je ne me sens pas bien. Donc, moi, mon but, c'est quand même d'essayer de me repositionner. Idéalement, plus bas, mais si je me repositionne plus haut et que j'ai vécu un mois tranquille, honnêtement, je ne m'en porterai pas plus mal. Donc, en fait, je suis repassé quand même à 60% en fiat, ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Des années, moi, de toute façon, je roule en crypto C'est-à-dire, t'as depuis cash Avital out ou Eternal. juste en stable? Ah non, non, Un en cash out, ça stable, n'arrive pas. stable. Ça n'arrive jamais. C'est générateur d'impôts. Non, 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 non. mais C'est bien sûr. générateur d'effroi. Ça, je ne le fais jamais. Mais ouais, donc là, j'ai repassé une partie majoritaire. Ça ne m'était pas arrivé depuis, en fait. Et le problème, c'est un trauma du précédent bear market où je me suis mangé voilà, des moins 95%, moins Mais c'est 90%. J'ai pas normal. voulu. C'est J'ai pas normal. voulu. Et j'ai gardé quoi? Des coins sur lesquels j'étais loqué. J'ai gardé l'Ether. Soupçon de Bitcoin. Avalanche, ce bon vieux Avalanche. Donc je l'ai gardé. Qui prend des belles tartes pour le moment, mais bon, on est Et touché, mais on Landlock reste récemment. debout. Ah, voilà, on est touché. Ben heureusement, justement, ce qui me fait supporter en fait ces baisses, c'est d'avoir des stables. En fait, les stables vont me rendre le hodling moins terrible. Parce que quand tu hodles, moi j'ai fait du hodl à 100% de bankroll et c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc Avalanche, mes Solana, je les ai revendus sur un chat crevé à 40 et quelques. Il veut Oui. pas, il est vraiment démoniaque, Solana. Je sais pas combien il est aujourd'hui, mais il me fait vivre l'enfer. Bah, il est à ce même niveau, ouais. 41 ou 42. Mais il est promu en fait par des gens qui sont quand même extrêmement influents dans le marché des cryptoactifs. Donc je sais pas, tu vois, si c'était un. Mais J'ai revendu c'est une terrible. partie de mes BNB, j'en ai gardé quand même une bonne partie, mais j'en ai revendu. Voilà. Ouais. Ok, je vois. Je vois très bien. Bah Solana, moi perso, fondamentalement, je n'ai aucun doute. Maintenant, il a tellement poussé, 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 poussé fort. Mais moi, je veux me repositionner. Sol, en fait, ma proposition de valeur, c'est la DeFi, tu vois. Donc, je ne sais pas quelle est la coin maîtresse, c'est Ethereum, tu vois. Et ensuite, il y a les Ethereum Challenger, on va dire. Et je ne sais pas lequel va gagner, tu vois. S'il faut, c'est Ethereum qui va délivrer sa promesse et qui était là depuis le plus longtemps, qui va résoudre ses problèmes de scalabilité et qui va tenir le train très bien, tu vois. Et donc, voilà. Et ensuite, tu as les Challenger qui sont crédibles. Pour moi, dans les Challenger crédibles, tu vas avoir Mais je peux me tromper, hein, sachant que tout ce que je dis là n'engage que moi, et que je vous livre ma réflexion et que je recommande rien à qui que ce soit. Et donc, tu vas avoir du Solana, tu vas avoir du BNB. En fait, BNB, la solution technique est dégueulasse. C'est une forme de BCH des smart contracts. Tu vois, oui, la solution technique, ok, elle n'est pas top, mais l'écosystème, il est hyper vivant. Et à un moment donné, en fait, est-ce que c'est la langue, tu vois, qui est grammaticalement la plus juste?
qui l'emporte sur le monde? Ou est-ce que c'est la langue à propos de laquelle il y a le plus de livres et le plus d'auteurs? Tu vois, si c'était la langue techniquement la meilleure, ce serait l'espéranto qui aurait gagné. Tu vois, ça se saurait. Et donc, il y a beaucoup d'espéranto dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, oui, techniquement, je suis supérieur. Oui, mais je m'en branle parce que personne parle ta langue. Et en fait, si tu n'as pas d'adoption, tu vois, je veux dire, et une langue qui va être faite d'exceptions, faite d'horreurs grammaticales et d'incohérences, du moment qu'elle est parlée par les plus grands auteurs de cette terre, ou eh bien, c'est celle qui va se répandre. Et finalement, voilà, donc le BNB, par exemple, c'est promu par un des acteurs les plus puissants dans le monde des cryptoactifs, par le Amazon des crypto-monnaies, c'est promu par Binance, et ce qui fait qu'il y a une vivacité au terme des projets, c'est-à-dire que quand tu veux faire rentabilité, donc voilà, donc moi je mise sur la monnaie du casino, en gros, c'est ça, c'est ce que dit Samy souvent. Non, mais Ça, c'est vrai, donc. c'est vrai. Ensuite, t'as quoi? Donc, je t'ai dit, ouais, Solana, Avalanche, BNB, j'ai un peu de NIR. J'ai joué pas mal les Layer 1, pas mal de Layer 1, et j'aimerais bien me positionner donc sur du Matic, j'en ai eu. Il y a plein de trucs que je dois oublier, hein, de toute façon, mais j'aime bien le sushi, j'ai des Ouais. fantasmes sur le sushi, du Tor Chain, parce que c'est les solutions d'interopérabilité, justement, et donc dans ce monde En qui serait wrapping, ouais. multipolaire. Voilà. Du Chainlink que j'ai raté parce que je l'ai vu décoller à un moment donné, je me suis dit qu'il allait passer devant Bitcoin, hein. Tu avais une appréciation de Chainlink qui était tellement monumentale que je me suis dit, voilà, chaque matin je le voyais, hop. Ouais, c'est un truc de ouf, hein, Bates. En fait, je me rappelle en 2017-2018, il y avait plein d'ICO, il y avait plein de projets, et je me souviens vraiment niveau interopérabilité de toutes formes. C'est large, hein, l'interopérabilité. Tu avais OneChain, tu avais Ion, tu avais Icon, et tu avais Chainlink. OneChain, bon, ça fait un peu de sous, mais ça finit par être dead gain. De toute façon, tu lis le white paper, le truc est imbuvable. Icon, il y a eu une poussée, pareil, finito pipo. Ion, bon, bah, dead, dead. Et Chainlink, bah, eux, vu que c'est vraiment l'oracle en puissance, bah, ils ont vraiment surperformé tout le monde, en fait. Un truc de ouf. Mais qui est utilisé une concreto, hein, Surtout que c'est-à-dire. c'est différent. Je pense que Oui, c'est OneChain et différent, ouais. Ion, c'est des Layer 1 et Chainlink, c'est un système C'est un d'Oracle. oracle. Ouais, non, mais bien sûr, c'est différent. Comme TrueByte, tu vois, c'est encore un layer 2 différent d'Oracle. Tout à fait. Mais tu sais, à l'époque, moi, j'étais en mode, alors, qu'est-ce qu'il y a interopérabilité dans le nom? Tu avais ARK aussi, bon, bref. Et du coup, j'étais dans mon truc, lequel a la plus belle promesse? Et au final, bon, bah, les promesses, en Bien bear market, spécifique. Je suis voilà. pas mal sorti du marché, hein. Un peu comme moi en avril, j'étais en disbelief quand j'ai vu les Shiba Coin et tout. Je me suis dit, bon, on va se laver. Il bug un coup ou Tu c'est vas. moi? Ouais, moi j'entends ça bug aussi de mon côté. Ouais, il est en Ouais. train de Allô? décrocher. T'es en train de On décrocher, m'entend? excuse-moi. Attends, ça va Allô? revenir. C'est parce que tu stream, non? Je pense. Allô? Ouais, on Allô, t'entend. Samy, ouais, on t'entend. Ah, On désolé. t'entend. Non, j'étais en disbelief depuis les Shiba Coin, les Akita Coin, etc. Donc là, j'avais déjà dégazé. Après, j'ai vu les dinos pumper. Donc j'ai essayé de tenter ma chance. J'ai vu les Ethereum Classic, les Bitcoin Diamond pumper. Bon, ça, c'est pas hyper bien passé. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, stay out. De toute façon, il va y avoir une correction biblique. Ça va être un châtiment divin. Je me suis dit, tu vas faire ça. Et puis, je prends la température auprès des gens qui trade autour de moi ou des gens que je rencontre. Et je suis sorti. J'ai tenté après des buy the dip à 3300 et à 2700 qui n'ont pas été très fructueux, mais j'ai pas mis toute ma stack dessus. Et je me suis arrêté sur les buy the dip. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas de mal à rester en stablecoin. Il faut que je me concentre sur autre chose. Voilà, faut que je sois plus focus sur autre chose et que j'arrête de me soucier du marché. Et puis, de toute façon, en fait, je suis vested sur beaucoup de crypto, en fait. Qu'il s'agisse de Mina, qu'il s'agisse de Avalanche, qu'il s'agisse de Oxygène, enfin, whatever, NIR ou autre, en fait, et mes tokens qui se libèrent tous les 3 mois, les 6 mois, les 1 mois, les 1 an, les flows. Et donc, je me suis dit, de toute façon, t'es exposé au marché. Donc, si ça se passe bien, tu en récupéreras de la valeur. Si ça se passe mal, tant pis. Et en fait, j'attends le signal. J'ai toujours cette conviction, c'est pas un conseil en investissement, qu'on n'a pas vu le top pour cette année. Et en Ouais, fait, moi je me aussi. conforte dans cette thèse et Je suis dans ce déni absolu aussi. Ouais, tout à fait. j'ai envie de jouer le contraire de ça parce que justement, j'ai discuté avec le créateur de Flowrose Capital avant-hier. Ça sort bientôt. J'entends beaucoup de, comment dire, de super cycle,
de trucs un peu ultra bullish. J'entends différentes choses. J'entends que le top n'est pas encore in. Donc voilà, je garde une cartouche pour la mettre au moment où c'est opportun, où ça me. Voilà. Je garde, après, j'ai oublié de dire autre chose. J'ai toujours des Ethers dans mon MetaMask, en fait, pour minter des shorts Solana. J'ai toujours des Solana dans mon fantôme pour faire des trucs, parce que bon, j'ai toujours certains des tokens que j'aime le plus, une quantité raisonnable, mais je suis quand même à 85% stable. J'ai toujours mes Combien? BNB, une bonne Combien? partie. 85, 85, j'ai toujours mes BNB, j'ai Oh. toujours mes FTT. Parce que Sam, c'est un frérot. Et puis voilà, quoi. Je suis principalement en stable et j'attends un moment pour jouer un nouveau ride. Mais il est hors de question de me manger moins 95 une deuxième fois. Parce que in for the tech, très bien. Je suis in for the tech, je suis vested for the tech. Mais je ne veux pas me reprendre à moins 95%. Ça, c'est hors de question. Ouais, je Donc comprends. maintenant, j'envoie des petites requêtes, par exemple à STX Capital, du genre un peu à droite à gauche. Je regarde le sentiment et je prépare une potentielle dernière entrée pour cette année. Mais je vais pas mentir, je suis un peu sceptique. Je garde toujours du Bitcoin de la foi aussi sur un wallet. Puis j'aime bien un peu ce qui se passe avec El Salvador. J'ai commencé à écouter le podcast là sur Twitter avec le président Nayib Bukele. C'est vrai que Oui, c'est qu'est-ce pas qu'il dit ce podcast? Il n'a pas fait ça en fait au lance-pierre. Hein. Il a Ah non, c'est un dégène, hein? déployé. C'est un dégène. Ouais, non, Et mais il a ça déployé c'est un beau. wallet. Non, mais il sait de quoi il parle par rapport aux autres Oui. tokens. Enfin, pas tokens, mais aux autres. Non, Politique. j'ai Mais c'est un bien président aimé. dégénéré, hein? C'est un président dégène. Et ça c'est beau quand même. Un président dégène, ça fait dans un pays dégène en fait. Hein? Ça fait plaisir. C'est-à-dire que c'est pour eux qu'il leur fallait les bitcoins, que le bitcoin a le plus de sens. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, je me méfie beaucoup. En ce moment, j'entends les super cycles, etc. Je l'entends de Multicoin, Triaroz, etc. On l'entend. Là, dans ce podcast, on n'entend pas dans ce podcast, mais je l'entends en off aussi. Et je me dis, est-ce que finalement, c'est pas un trap? Il y a aussi la narrative d'Ethereum qui est hyper intéressante avec les Layers 2, avec l'arrivée du sharding, avec l'EIP 1559. Mais what if l'EIP 1559 nous livre sur le court terme un effet un peu décevant et que ça pump après? Voilà, c'est juste Non, mais mes vues. ça c'est potentiel, hein. Bah déjà, là, on peut s'attendre à une saignée des alts et peut-être une prise de force de Bitcoin. Ça peut aussi être ça, simplement, hein. Que, Bah, au final. t'as le taproot, hein, mes amis. T'as les petites solutions techniques en fait, d'évolution de Bitcoin qui sont sympas. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens, dans le précédent bull market, où on avait eu un creux pendant la superstition autour de Segwit, une évolution technique. Voilà. Et donc, dans les propositions de valeur qui sont nécessaires à l'humanité, tu as la préservation de la vie privée financière. C'est-à-dire que dans les échanges financiers, nous n'avons absolument plus aucune vie privée sur ce qu'on fait avec notre argent. Et ça va être pire encore, Et ça va être pire encore. Et là, on a une évolution de Bitcoin qui va plutôt dans le sens de la préservation de cette vie privée, qui est un élément fondamental. Voilà, on a des États qui commencent à l'adopter. Bon, ce sont des États shitty, mais c'est justement. c'est un bon début. C'est un bon début. Et si ça se passe bien au Salvador, ça peut passer au Honduras, ça peut passer au Nicaragua, je dis n'importe quoi, au Paraguay. Après, ça peut passer, j'en sais rien, au Bhoutan, au Népal. Et on peut avoir ce petit effet domino. Et en fait, on peut avoir un changement. C'est hyper intéressant, je pense. Il faut surveiller comment ça évolue au paradigme. C'est Pas au paradigme, un bordel, de toute façon, le marché est le au seul à avoir Salvador. raison. Le Salvador, mais après, Oui. bon, je me méfie quand même de ce pays, 6 millions d'habitants. Le GDP du Salvador, c'est la moitié de Cardano. C'est la petite référence, hein, la market cap, ça veut rien dire, mais il y a beaucoup de criminalité. Oui, Mais mais je me dis d'accord, mais que c'est ça les peut pays qui apporter sont un dans la super. merde qui vont l'adopter. Je veux dire, c'est pas un pays qui a le dollar. C'est-à-dire que c'est pas les États-Unis qui va transformer sa monnaie nationale en Bitcoin. Enfin, quel est Ah non, mais là, il ne les l'intérêt transforme de. pas. Ils gardent, ils Il y ont a une deux GDP. dualité, ouais, il y a une dualité. C'est pas Il garde, pareil, mais hein. quel est l'intérêt pour un pays qui va bien de prendre Bitcoin en monnaie nationale? Mais C'est-à-dire que ce seront des s'affirmer pays de comme merde qui auront toujours avant-gardiste, les pays. comme avant-gardiste Oui, bien sûr. Non, mais ce dans sera les. la monnaie Et se prendre des remontées de bretelles de la BCE et de la Fed. Ouais, c'est aussi de ça, hein. l'AMF. Ce sont les pays de merde, ce sont les pays persécutés, ce sont les pays avec des débancarisés, ce sont les pays avec de la criminalité, ce sont ça. C'est les outsiders qui vont en fait accepter Bitcoin. Ce sont ceux qui y sont contraints. On n'accepte pas Bitcoin parce qu'on le souhaite, on accepte Bitcoin parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, c'est. Voilà. Wikileaks. C'est pas un Oui, voilà, pays, par mais. exemple, par exemple. Si, si, si. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Ouais, c'est la citadelle, peut-être, El Salvador. Hein. On va tous y finir. Hein.
Ben, Je sais persécutés pas. par. Je sais pas. On est dans un pogrom fiscal et monétaire, en fait, dans l'OCDE, qui va peut-être nous pousser à aller dans les. Voilà, à El Salvador, quoi. Non, non, mais c'est hyper intéressant ce qui se passe. Moi, clairement, je trouve Mais que. moi j'aime trop et je ne peux pas me détacher de cette chic connerie en fait, c'est pas possible. Mais C'est t'as misé, c'est intéressant. mais encore une fois, hein, avec toute l'estime que j'ai de Bitcoin, et je place toujours le papa où il est. Ah, il faut respecter le père. Il faut Ah ouais, non, respecter le mais père. important. Et je vous remercie de m'avoir fait pas une remontée de bretelles, mais de m'avoir remis la couche de propagande dont j'avais besoin. Elle est importante. En fait, y a trop d'alt. Il y en a qui vont souffrir, c'est clair, mais il y a trop d'alt où je vois un potentiel de ouf à l'échelle d'Internet, en fait. Parce qu'au final, Internet est quand même particulièrement centralisé. C'est Google, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Twitch, quoi. Et c'est Twitter. Voilà. Après, pour filer la métaphore, si tu regardes l'email, c'est un des premiers cas d'usage du net, ça marche J'entends pas bien. encore. Moi non. Samy, on t'entend bien? Moi, j'en. Moi, je t'entends très bien. Hello? Et donc, l'email, est-ce que tu penses que l'email va Merde. disparaître dans 10-20 Allô? ans? Samy? Attends, ils nous entendent Merde. bien, c'est bon? Attends. Vous nous entendez? C'est bon, c'est bon. C'est Dites-le dans le rétabli. chat. Désolé, j'ai plus de batterie. Il n'y a pas de problème. Vous nous entendez bien? Dites-le dans le chat. Hein. N'hésitez pas. Bon, Ah. ils nous entendent, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, qu'est-ce que tu disais, pardon, Benoît? J'écoutais pas. Mais que toi, tu as besoin de romance, en fait. Je sens que tu as besoin de promesses fortes et tu as besoin, voilà, d'ambition, en fait. Mais Mais c'est en fait. proposer la meilleure monnaie du monde, c'est extrêmement ambitieux. Si tu regardes les premières traces d'écriture n'ont pas été écrites pour se raconter des poèmes, pour dire je t'aime, pour dire oh que tu es jolie, que j'aimerais t'offrir un bouquet de roses, tu vois. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été écrit, en fait, c'est des écritures comptables qui disent un tel me doit tant de bière, un tel me doit un tel sac de blé, etc. C'est parce que, en fait, voilà, pour se dire des mots doux, on y arrive, tu vois. Et c'était pour se souvenir de qui doit quoi à qui. Et en fait, la monnaie, ça a une utilité mémorielle dans les échanges, c'est une intermédiaire au troc, et ça permet de savoir qui a échangé quoi auprès de qui. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des faux monnayeurs. On a des gens qui, justement, s'amusent à débaser la monnaie, c'est-à-dire à en produire trop, en échange de aucun bien et service. Normalement, la monnaie est toujours la contrepartie d'une production de biens ou de services, d'une production de richesses. Et le grand jeu des banquiers centraux, c'est de produire de la monnaie en échange de rien, en échange d'un beau costume, c'est-à-dire d'un beau costume et d'un beau discours, parce que pour une grande cause, on va produire de la monnaie. Et donc, en fait, fournir une monnaie qui fait la nique aux banquiers centraux, c'est fabuleux, en fait, les mecs. Non, mais ça, il n'y a C'est une aucun doute. proposition. Alors, je vois des tas de gens qui disent, ah, la finance, machin truc, mais il n'y a pas 36 challengers. C'est-à-dire que si vraiment l'ennemi, tu vois, c'est cette corruption planétaire au niveau financier, c'est-à-dire de déposséder les gens de leur propre capital. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont les épaules pour affronter un tel ennemi. Et Ouais. voilà. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Ça, Mais c'est il va peut-être se faire démonter. Mais Bitcoin va peut-être se faire démonter parce que les ennemis sont méchants. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé le t'as besoin de romance. Bah, en fait, c'est vrai que moi, ça m'excite. C'est ces jeux vidéo, Internet, la tech, c'est ça qui m'anime, tu vois. C'est d'être dans le game, de consommer, de m'exprimer, de voir des gens s'exprimer et pas voir un régulateur ou un algorithme dire nique ta mère. Parce que YouTube, ils vous ont dit niquez vos mères, tu vois. Ils vous ont schlassé. Moi, ça m'a choqué ce qui vous arrivait. Je vous le jure, hein, ça m'a choqué. Parce que vous ne Ce sera vivez toujours pas dans de nos cœurs. YouTube. Vous ne vivez pas de YouTube, mais c'est quand même un beau levier pour votre activité Journal du Coin, on va pas se mentir. C'est le deuxième meilleur moteur de recherche du monde après Google. Et d'ailleurs, bon, bah, les deux meilleurs moteurs de recherche, bah, c'est Google et Google, qu'on se le dise. Donc, c'est eux qui décident si vous mangez le caviar ou si vous êtes dans le caniveau, en fait. Et tant que ça se passe bien, tant mieux, mais le jour où ça se passera moins bien, bah, c'est ça le problème. Donc c'est beaucoup de parano. De mon côté, c'est beaucoup de parano. Mais moi, je vois Internet se centraliser, cette fameuse bien-pensance, ce machin, ce truc. Et je me dis, par paranoïa, qu'à un moment donné, on va passer une ligne. On va passer une ligne. Et peut-être que, un peu comme le Darknet, mais à l'échelle du Cleannet, ça va se fractionner. Et en fait, il y a des gens
pour leur petite visibilité, Ouais, leur mais pognon, leur en activité. quoi Ouais. Ethereum va t'aider à ce moment-là? Mais Ethereum ou les autres? Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut, c'est une blockchain avec une basse latence, donc block time bas, finalité basse, et des frais bas. Histoire qu'on envoie de la donnée, quoi. Une transaction, Mais c'est une donnée comme que tu vois, que tu as des modèles de base de données on-chain et que vas-y, on y va, quoi. C'est ça dont on a besoin. Ça n'existe pas aujourd'hui. Même Solana ne le fait pas. La finalité, elle n'est pas instantanée sur Solana. Beta Avalanche qui a une finalité basse, mais Ouais. effectivement, là pour l'instant, c'est des promesses. Exactement. Non, mais c'est Donc, vrai il y a que eu. les thèses sont intéressantes et en effet, on parle de centralisation, de bien-pensance, de surtout de censure en fait, qu'il s'agisse de censure sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de contenu. C'est vrai qu'il y a un move, il y a un play à jouer. L'échelle de temps est très difficile à définir, mais clairement, on voit un segment, un gap qui s'épaissit au fur et à mesure du temps entre ceux qui veulent poursuivre la liberté et voilà l'absence de censure et ceux qui trouvent le confort dans après il y a les compromis, il y a ceux qui sont entre les deux, etc. Et on peut aussi jouer la fracture en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement jouable, mais il y a toujours beaucoup de risques. Mais de toute façon, ce sont les paris, les prises de décision les plus atypiques et les plus difficiles à tenir, les plus risqués, qui sont souvent le plus rémunératrices, les plus récompensantes. Donc à voir. Mais Ouais, on verra bien, hein, de toute façon, clairement. idiosyncrasie, ce que tu disais idiosyncratique, là. ça c'est mon mot préféré, ça. Ça c'est. Je l'ai On a appris chez appris à la nos MEDA. dépens, à nos Hein? dépens, à nos dépens. Tu te souviens qu'on l'a appris en se renseignant sur Sam Bankman, en allant sur son site et en voyant ce mot dans la page de garde, on a vu idiosyncrasie. Donc non seulement on était en train de perdre des fortunes en shortant Solana, et en plus cet idiot se permettait de nous apprendre des mots complexes sur sa page de garde. Donc on allait chercher ça et il a C'est dit, quoi le voilà, mot du faut. coup? Vous êtes obligé de l'expliquer parce que je ne le Eh bien connais alors pas. le mot c'était il faut être à contre-courant. En gros, c'est il y a des idées maîtresses et c'est l'idée on va dire singulière. Quelque part, si je le résume, Samy, toi qui as une En fait, ils mémoire. ont des stratégies market neutrales ou parfois des stratégies idiosyncratiques. Tout dépend le contexte de marché, Mais s'ils font un idiosyncratique, ça veut enfin, dire quoi? bref. Et idiosyncratique, c'est le fait de perpétuellement faire un assessment, genre ils analysent le marché et ils essayent toujours d'avoir un mouvement qui est contre la tendance dominante, en fait, aller Ouais. contre ce qui est en C'est une permanence, en pensée fait. singulière. C'est C'est le je suis pas d'accord, en fait. voilà, je suis pas d'accord, mais je suis pas avec une foule de gens qui sont pas d'accord. Parce que si vous êtes plein à pas être d'accord, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'une manifestation dans la rue, hein, où les gens sont pas d'accord, mais comme ils sont tous pas d'accord, ça n'a rien d'idiosyncratique. Mais c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Moi, je suis beaucoup comme ça. Ça me réussit pas toujours, mais des fois, ça marche. Bah, je suis rentré dans le Bitcoin parce que je suis pas d'accord le traitement de la monnaie et des paiements. Par exemple, c'est ce qui m'a mis dedans. Je me mets dans les latences par rapport au gaming parce que compter combien j'ai de FPS en jeu, c'est pas suffisant pour une expérience de jeu. Voilà. Elon Musk, la NASA, vous êtes bien gentil avec vos fusées, mais moi je veux que ma fusée, bah, quand elle réatterrisse, elle réatterrisse où j'ai choisi de ça réatterrit et hop, je le fais. Et on lui a ri à la gueule et il l'a fait, tu vois. C'est le jeu, je suis pas d'accord. Après, c'est pas facile et Mais il non, faut c'est que pas ça ait du facile, c'est sens. très difficile. Mais là, je vois quelqu'un qui dit, donc là, faut acheter maintenant. Donc évidemment, on lui répondra pas parce qu'on n'en a pas la moindre idée. Mais ce que disent les anciens, en gros, c'est qu'il faut acheter au son des canaux, il faut acheter quand il y a du sang dans les rues, y compris si c'est le vôtre. Tu vois, donc c'est ça qu'ils disaient. Et donc il faut acheter, évidemment, quand ça fait peur, quand t'as la trouille au ventre. Et forcément, parce que tout le monde est en train de vendre. Quand tout le monde a peur, les gens vendent. Et c'est là qu'il faut acheter parce que forcément, c'est pas cher. Mais si les gens vendent, et qu'ils ont peur, parfois il faut pas acheter non plus parce qu'ils ont d'excellentes Mais d'avoir peur. C'est-à-dire que là en ce moment, acheter. c'est compliqué. Ouais. Pour répondre à leurs questions, franchement, les gars, moi je suis in. Il y en a, il est out à 50%, l'autre à 85%. Là, vous avez les trois mousquetaires. Il n'y en a pas un qui a la même lecture du marché actuellement. Donc, au moins, En la fait, messe est je suis dite. out à 85, mais si on considère ma stack vested, du coup, je suis out à 10%. Ou à 20%. En fait, c'est très difficile. Je ne la compte pas, Puis du coup, mais. après, il y a la question de quel est l'horizon de placement. C'est-à-dire que toi, tu te projettes à combien de temps, Capette? Ouf, si... Alors là, en fait, si tu veux, pourquoi je suis in, c'est que j'ai acté d'être in et ça m'empêche plus de dormir, tu vois. Et si vous êtes out, c'est parce que justement, vous êtes out et que ça vous aide à dormir, j'imagine.
Et le Oui. but, c'est de pouvoir vivre, en fait. Moi, je vous le dis sincèrement, moi, c'est de pouvoir vivre. J'ai acté cette décision, je ne la regrette pas. Si ça tombe, ça tombe. Parce que voilà. Si j'étais out, je m'en voudrais. Donc voilà. Après, ça, je pourrais out un petit peu. Je me dis, s'il y a un petit rebond, je vais peut-être effectivement en profiter. Là, c'est un peu tard, donc je reste Te laisse pas innovant. influencer par ce. Eh, non, mais Benoît, il dit n'importe quoi. Non, 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 mais il n'y a pas. Non, non, Je ça a été rigole, je dit rigole, je bien, rigole. ça a été dit bien avant. S'il y a un rebond, je pense que je me paierais même 20%, histoire de dire, tu vois. Peut-être même me sortir du Fiat, tu vois, histoire de dire. Voilà. En tout cas, c'est vachement bien, hein, ce genre de discussion. Je pourrais vraiment en discuter des heures Mais comme ça. Je ferai d'une on va traite, hein. t'inviter, hein. D'une C'était traite, hein. génial, hein. Enfin, moi, j'ai adoré aussi, hein. C'était très Moi aussi. intéressant. C'est cool. Merci, merci à toi surtout, Capet, d'être venu sur cette émission du jeudi. Et puis je pense qu'on rentre dans le format. De toute façon, on est sur 1h55. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés en cours d'émission. Vous êtes merveilleux. Et même à ceux qui ne se sont pas abonnés, qui ont commenté, qui ont animé le chat, aux habitués, à ceux qui découvrent la chaîne. Bref, merveilleux. J'espère que l'émission vous a C'est plu. cool. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour un JT le dimanche et quelques vidéos entre-temps, peut-être un live le samedi, on verra bien. Et puis, restez connectés. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous voyez cette rediffusion sur YouTube. Yes. Et à vous abonner. Et surtout à suivre Capet. Je pense qu'on va mettre quelques liens utiles en description sur la vidéo YouTube. Puis sinon, vous tapez Capet le vrai ou Capet tout simplement sur Twitch et vous retrouverez sa page pour suivre sa Capet chaîne. unique, On n'en finalement. a pas parlé, mais Capet ton unique. récent média, Coin Academy, qui Ouais, propose on n'a pas parlé. Ouais. J'ai pas voulu une. faire le relou de service. Déjà, je vous Mais on remercie aurait dû, en déjà. fait, j'avais ça dans la roadmap, mais c'est parti en. Bon, On de toute aurait pu façon, on tenir en mes. refera, on en refera. Oui, Vous oui. viendrez, vous viendrez. Voilà, moi, je pense que c'est Avec plaisir. important. C'est important. D'ailleurs, alors, dernière question avant de couper. Toi, Benoît, tu es fondateur ou tu t'es plugué après à Journal du Coin? Parce que moi, je me souviens de Ah, Romain. moi, je. Oui, alors moi je suis cofondateur parce qu'on a le titre est plus facile, mais je suis arrivé après. C'est-à-dire que les deux vrais cofondateurs, ce sont Romain Didier Laurent et Lucas Hermis, qui l'ont créé dans leurs appartements souterrains respectifs. Moi j'étais sur BitConseil, donc nous étions quatre. Donc voilà, Morgan, Robin, Nazib et moi. Tu Mais diras ensuite on bien a Morgan, bon, fusionné. il le sait déjà, mais Morgan, c'est plus haut que Morgan, c'est le soleil. Vraiment, Bon, ben ah, d'accord. vraiment, les analyses Ouais. BitConseil de Komodo et compagnie à l'époque, c'était ça m'a vraiment formaté quoi par rapport à ce marché. Bon, bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Ah, non, mais, oui, mais c'est vrai, il est réputé pour son analyse. Et moi, quand je vois comment il les écrit, ça m'impressionne toujours énormément. Il a une capacité de production hors du commun. Donc, ouais. Et ensuite, ben voilà, il y a eu plein de gens, donc notamment Samy, Grégory Guittard, et maintenant Yes. Helmut Spanner. Il y a plein de. Joss, plein, 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 plein. Voilà, la famille s'agrandit, s'épaissit. Mais CPC. voilà, les deux cofondateurs initiaux, c'est Romain Didier Laurent et Lucas Harbis. Ouais, Romain que j'ai rencontré du coup à une soirée Krill et Lucas qui est out maintenant, qui est complètement out lui, il me semble. Non, 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 Non? il est encore avec nous, mais après il a pris on va dire de la hauteur, mais Ok. il est encore là. Ok, ça marche. Très bien. Bon, bah, c'est top. Bah, merci encore, les gars. Hein. Comme dit, on se refait ça quand vous voulez. Moi, je vais poncer mes fondamentaux. Et puis, au plaisir peut-être d'échanger un peu plus en privé, parce que c'est vrai qu'au final, on s'échange Ah des tweets, oui, bien sûr. s'échange des tweets, mais pas spécialement en privé. Bah, merci, voilà. C'est tout ce que Ben, j'ai à merci dire. à Moi, toi. Merci à toi. c'est Merci. Très bien. Capette. Et Merci à puis, toi. Merci à d'être très venu. vite. Le vrai, presque l'unique. Presque Probablement l'unique. l'unique même. Salut, salut tout le monde. Ciao, ciao.